Aliyako, Pasopa, Okalachan, Bazoguta, Teli Maliyako, Pasopa, Biti Okalachan, Bazoguta, Teli Maliyako, Pasopa, Okalachan, Bazoguta, Teli Maliyako, Pasopa. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. On va baisser tranquillement le son, s'installer et tout quoi. Voir un petit peu ce que ça donne pour aujourd'hui. Je peux le laisser un peu en fond. Bon, c'est pas grave si le début est un peu strike quoi. Donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Qu'au niveau du son ça va à peu près quoi. On verra un petit peu, on va refaire, parce que je vous avoue que tous les branchements étaient un peu partis, quoi. Je vois que mon micro, il doit être encore trop près. C'est bizarre qu'il marche aussi bien aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, j'espère que tout va bien pour tous, quoi. Et que vous êtes contents de nous retrouver, hein. On va se le dire comme ça, quoi. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas stream, nous, tous les trois, comme ça, quoi. Donc, on est vraiment ravis de vous retrouver ce matin pour ce stream un peu, pas improvisé, en fait, quoi, mais complètement improvisé. Non, c'est surtout qu'on avait envie d'échanger un petit peu ce matin. Est-ce qu'on lance vraiment la saison? Pas complètement, on va la lancer par petits morceaux. D'abord, la saison 1 de Pop vient juste de se terminer. Je te laisserai, Andrea, raconter la fin de cette saison 1, le bilan qu'on va pouvoir un petit peu faire, quoi, et vers quoi on s'achemine. Donc, c'était surtout un stream un peu d'échange ce matin, quoi, on voulait parler avec vous, voir un petit peu où vous en étiez, vous aussi, tirer quelques bilans et avancer tranquillement, quoi. Bah, je vous laisse faire vos petites intros.
Eh ben salut tout le monde, re à tous ceux qu'on n'a pas vus depuis un petit moment, et puis ben, le salut à ceux que je connais pas. Ben voilà, il fait chaud, et puis on va y aller tranquille. On va raconter un peu nos étés, peut-être un petit peu. Enfin nos étés, on n'est pas partis spécialement tous en vacances, mais on a des trucs à dire quoi, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a vu, sur effectivement. Bah, tout autour de la chaîne, on va vous balancer un peu nos attentes après, quelques surprises en fait. On va pas se porter l'œil, mais on va quand même vous annoncer ce qui va se passer un petit peu à la rentrée là. C'est bientôt la rentrée en plus. Donc voilà, on espère que vous n'avez pas trop chaud les nordistes, parce que nous les sudistes, on commence à se mettre bien là. Moi! Donc bon, on se met bien, mais ça va être un peu tendu quand même aujourd'hui pour tout le monde. Donc restez bien au frais si vous pouvez. Et puis voilà quoi. Justement, je sais pas Antoine, toi t'es rentré dans tes montagnes. Et Eh oui, bonjour tout le monde. tu peux nous parler de la Bretagne et du temps dégueulasse que tu as eu là-bas, s'il te plaît? J'essaie de rafraîchir tout le monde avec mes souvenirs de moments où il fallait que je porte un hoodie le soir pour sortir, boire des coups avec les gens, ou alors de ces pluies rafraîchissantes qui me tombaient dessus alors que j'avais oublié de prendre mon ciré. Oui, Antoine, je il a mis pourrais la parler de pluie. ça. Mets la pluie un peu. Est-ce que tu es allé voir le front de mer sous l'orage, Antoine? Je ne suis pas allé le voir sous l'orage, non, non, non. Mais j'ai vu quand même des mers assez agitées et assez ventées aussi, hein. C'est le genre d'ambiance où, vous savez, il vaut mieux avoir une super protection sonore quand vous êtes avec un micro en extérieur pour enregistrer des trucs. Sinon, vous n'entendez que le vent et vous n'entendez plus rien d'autre, quoi. Voilà. Ça soufflait bien à des moments. Mais c'était de toute façon un été bizarre. Moi, j'ai eu l'impression d'évoluer dans un truc où, à titre perso, j'arrivais à avancer, mais dans une espèce de moiteur, une torpeur, un truc très pesant. Un truc très, très pesant, en fait, dans l'ambiance, quoi. Entre ce qui s'est passé, parce que c'était déjà au début de l'été, ça, les suites de la mort de Naël, on n'oublie pas. Et ce qui se passe, évidemment, au niveau climatique qui continue. L'ère de l'ébullition, plus ou moins proclamée, annoncée par le secrétaire général de l'ONU, et tous les désastres auxquels on est en train d'assister, en se sentant bien impuissant face à tout ça. Forcément, on va être amené à en reparler. Ça faisait partie des choses dont on voulait parler ensemble ce matin. C'est que, en fait, map qui on est, on se le disait aussi en préparant un peu cette matinée, quand on s'est vu tous les trois avec Andrea et Philippe, c'est que on aime bien donner des droits de suite. On aime bien vous commencer à nous connaître, en tout cas connaître nos intentions sur map. Pour celles pour qui ce serait pas encore clair, on aime bien faire du dossier, refroidir un peu l'actualité. Et aussi donner des droits de suite, revenir sur des sujets qu'on a déjà abordés et essayer de dégager des choses qui restent, qui sont des lames de fond. J'emploierai pas une autre expression qui n'est pas de moi, mais j'y pense très fort. Donc ce matin, effectivement, envie de partager un peu tout ça et aussi de commencer à vous exposer un petit peu ce qu'on a en tête pour la suite de la chaîne. On pourra pas tout vous dire ce matin parce que tout n'est pas encore calé de toute façon, mais on pourra commencer à en parler, puis aussi avoir vos retours. Parce que la chaîne, c'est pas que nous trois en fait, hein, c'est quelque chose de plus large. Il y a des gens à la modo. Merci Zippo d'être là ce matin d'ailleurs. Et courage à toi pour la reprise demain. Moi aussi je reprends demain. Et puis c'est aussi bah, les gens qui participent dans le chat. On a la chance d'avoir un chat très très participant. J'allais dire participatif, au secours. Mais voilà quoi, c'était important pour nous de marquer ce temps de pré-rentrée tous ensemble, quoi. Voilà. Il a donc bien mis la clim, Antoine. Bon, ouais, courage à toi, Zippo, aussi, là, pour si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, demain, taf 7 heures.
Ben force à toi, ma grande, parce que ça va être compliqué avec la chaleur là pour les enfants. Ouais. Bon. Ouais, courage à nous tous. Ben écoute, voilà. Par quoi on commence, les gars? Philippe, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu cales des dragons. Philippe, il cale des dragons. Ouais. J'étais en train de remettre parce que finalement, je trouvais que c'était pas mal. Qu'à la limite on se fasse un petit bilan de nos alors comme tu veux, soit un petit bilan de l'été, soit un petit bilan de nos différents formats cette année, l'endroit où on voulait les emmener, où est-ce qu'on les a emmenés, ce qu'on peut-être, ou alors qu'on parle de l'été comme tu veux. Bah les trois en fait, parce que l'été il s'est passé des trucs. Après je sais pas, moi j'ai envie de parler que d'actu, parce que bon, Antoine, t'as mis la clim avec la justice nique sa mère, c'est tout ce que j'ai à dire. voilà, vous avez tout à fait compris de quoi je parle, je pense, parce que le dernier mag que j'ai fait, c'est avec Mehdi et Pierre-Alain, je crois qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on avait à cracher comme voilà. Et puis plus tard, il s'est passé des choses aussi, voilà, que d'autres streamers ont bien relayé. Donc je pense que voilà, des suites à attendre. Rappelle que la Legal Team antiraciste, elle prend toujours vos dons et elle continue l'action pour mener pour ceux qui ont été mis en comparution immédiate et ceux qui ont des problèmes juridiques face à tout ce qui s'est passé au niveau émeute suite à la mort de Naël. Donc la Legal Team antiraciste, elle reçoit toujours les dons et elle est toujours en activité, plus que jamais malheureusement, j'ai envie de dire. Voilà, et elle a besoin encore de nous. Ça c'est peut-être à relayer, ouais, le plus massivement possible. Alors je sais pas, il faudra que je vais mettre un lien bientôt là sur la Legal Team, parce qu'elle a toujours une cagnotte. Voilà. Et sinon, moi j'avais envie de parler de ce qu'on avait fait éventuellement cet été aussi au niveau culturel. À tout ce dont on a envie de parler pour partager avec les copains, peut-être, je sais pas aussi, et les projets de la chaîne bien évidemment, le bilan perspective chef de la chaîne si tu veux, Philou, je sais pas, ouais, comment on avait vécu tout ça. Moi, pop par exemple, ça fera partie de mon été aussi, ouais. En plus là il y a des trucs qui rentrent aussi. Salut, dans l'été quoi. Coucou Yass. Comme tu veux, on peut effectivement commencer un petit peu par pop quoi, pourquoi pas quoi. Faire un débat sur Barbie. Non, on fait pas un débat sur Barbie. Salut Mino. Les projections pour l'avenir. Ouais, on va projeter du ciment sur le mur. Ouais, on peut effectivement. D'abord, il y a eu des pop jusque tard, puisque là le dernier c'était début août, je crois. Et ce qui était cool. Oh putain, c'est bien, il y a les alertes qui marchent. C'est cool. Ouais, c'est bien. Faut que je monte le son de celle-là d'ailleurs, quoi. Donc ouais, effectivement, il y a eu un dernier pop finalement assez tard, quoi, autour du 10 août, quoi. Ce qui était important, c'est comme ça vous a permis de finir la partie travail et lutte, qui a été un pop en deux parties. Il y a eu deux pops cette année qui ont été en deux parties, c'était le pop sur la danse et le pop sur la lutte, quoi. C'est quelque chose qu'on va garder d'ailleurs, hein, cette idée que le pop puisse être divisé en plusieurs morceaux quand il y a beaucoup d'intervenants. Ce qui me permet de souligner que là il n'y a plus que l'eau qui arrive. Putain, ça m'aura pris un temps fou, l'eau. Il y a le dernier qui va arriver sur YouTube, mais ça y est, tous les pops sont présents sur YouTube. Ils sont chapitrés sauf Machines et Créatures et eau. Et ça, je ferai en début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, comme je disais dans un tweet, à aller y butiner. Et on verra, puisque ça peut être un des objectifs aussi de l'année prochaine, comment on peut valoriser notre travail, et notamment comment on peut proposer d'autres façons de réorganiser et de présenter les contenus qu'on a pu produire, quoi. Donc on réfléchit à ça. Donc, puisque la map est aussi une carte.
Et donc il y aurait peut-être possibilité effectivement qu'on aille. Alors je suis très intéressé moi par l'initiative, je vais prendre contact d'ailleurs avec Mehdi Derfaoui qui est un sociologue qui a une très chouette initiative qui s'appelle Fiction Sociaux, quelque chose qui me plaît beaucoup, dans lequel il reprend des concepts de sociaux et il les illustre, il les définit et il les illustre à travers des extraits de séries et de films. Ce qui est intéressant parce que du coup ça permet effectivement quelqu'un qui découvrirait la socio de l'initier à un certain nombre de concepts quoi, c'est plutôt bien fait. Donc ça fait partie des pistes aussi qu'on pourrait un petit peu envisager. Ensuite ça implique une réflexion sur ce qu'on fait nous ici, et c'est pas dit qu'on produise des outils pour la lutte, ça serait assez intéressant en fait. Je pense pas qu'on soit une boîte à outils. Après, le concept est intéressant. Foucault l'employait, par exemple, quoi. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faudrait un peu réfléchir. Donc, pour essayer d'organiser un petit peu ce début-là, et si vous voulez rebasculer sur l'été, n'hésitez pas à y basculer quand vous voulez. Oui, parce qu'il y a beaucoup de découvertes. Vas-y. Justement, Mehdi Arfaoui, justement, moi, j'avais adoré un thread qu'il avait fait sur le travail... autour des fictions, films et séries, adapter un traitement pédagogique de certains concepts de la sociologie. Je ne sais pas si tu avais vu ce retweet que j'avais fait de lui, j'en profite encore s'il ne nous écoutera peut-être pas, mais merci à lui parce que c'était vraiment génial. Et je suis contente que tu aies pris contact avec lui et qu'on puisse travailler. Pas encore, je ne prends pas de contact sans qu'on en ait parlé ensemble. Quoi. Mais disons que ça me travaille, j'y ai pensé après notre dernière réunion. Et le chat. Voilà. Donne quelque chose qu'il a fait, c'est génial. Voilà, fictionsociaux.fr, site. Donc, il a des vidéos avec des auteurs et des autrices, des concepts. Bon, voilà, vous tapez un mot-clé, mais directement sur des onglets qui vous donnent tout un tas d'œuvres qui sont exploitables en sociologie. Bon, alors, c'est pas qu'à destination des profs, quoi, c'est vraiment, on apprend beaucoup de choses grâce à lui. Et il avait fait un thread aussi magnifique. Ben, ça fait partie des choses que j'ai envie de partager avec vous, tu as bien fait d'en parler. Vraiment des trucs qu'on peut partager aussi sur ce qu'on a découvert cet été, vu que c'est encore les vacances, un peu dans la tête, prendre le tape demain où certains ont déjà repris, force à vous ceux qui ont repris d'ailleurs, le chemin du travail aliénant capitaliste, avec plus ou moins de plaisir, ou plus ou moins de... Voilà, ça c'est... Moi j'ai envie qu'on chill un peu. Qui peut encore en été, quoi. C'est-à-dire du temps. Du temps pour nous, du temps pour parler de choses qu'ils proposent. On a passé une année vénère, hein, on va pas se mentir, les gars. On a passé une année vénère. Vénère, quoi. Et ça va continuer, parce que là, on est sur quelque chose de... UMD, salut. Tac. Je colle aussi un truc. C'est... Ouais, j'y suis replongé... voilà. Moi, je m'y suis replongé plus que jusqu'au cou dans la sociologie. Hein. Ça m'a bien traversé l'été. Ouais. Et notamment, une reco que je peux vous faire ou refaire... C'est une production Twitch en l'occurrence, et sur Twitch, preuve en est, il peut se passer de très belles choses. Il y a de ça environ 2 ans, sur la chaîne de Cliché Nourrice, il y a eu une interview du sociologue Bernard Lahire. Ça dure un peu plus de 2 heures. Ça revient sur la sociologie de la culture, et c'est à la fois d'un niveau et d'une clarté qui sont assez remarquables. Donc, je vous posterai ça aussi dans le chat dans quelques instants, quand je vous l'aurai retrouvé. Mais voilà, pour parler de mon été, ça a été un été très, très sociaux et très, justement, intéressé par les travaux de Bernard Lahire, notamment, parmi d'autres. Ceux sur la cumulativité des sciences sociales aussi, débat qui est encore loin d'être tranché, l'approfondissement de la notion d'habitus et les plis du singulier dans un collectif.
comment on arrive à lire tout ça et comment on arrive à en lire à partir de ça des pistes pour et non pas des préconisations pour l'émancipation. Voilà, sachant que tout le travail après il reste à faire. Mais je vais vous retrouver cette interview parce qu'elle est elle était vraiment excellente et je pense que vous serez nombreuses et nombreux pour un certain nombre d'entre vous à apprécier aussi vous aussi ce petit moment quoi. Donc je vais vous retrouver ça rapido. Il est chouette l'AIR, je crois que Yass il était sur une lecture de l'AIR là. Moi j'aime bien aussi Bernard, je l'aime bien. Il sort un bouquin qu'il veut assez refondateur ouais. Puisque ça sort la semaine prochaine et ça s'appelle rien de moins que les structures fondamentales des sociétés humaines. Avec un titre pareil, il y a intérêt à assurer derrière. Ouais, et comme il a dit très récemment, un peu moins de conférences et un peu plus de... Je sais plus, ouais, il a voilà. Fait Bernard. Ouais. Oui, oui, j'ai vu le tweet de Lélia Véron qui a déjà récupéré le bouquin. Ok, bon, ben voilà. Ouais. On lira ça avec attention. Ouais, sur les recollectures, on peut en faire quelques-unes, ouais, carrément. Recollectures, tout ce qu'on a un petit peu trouvé, ou même des copains, des copines qui font un boulot phénoménal aussi. Tant qu'on est en sociaux, il y a Grégoire Simpson sur Twitter qui me régale toujours avec des threads d'une qualité incroyable. Il fait des recensions de bouquins, d'articles, de sociaux. Il les explique point par point et c'est super génial ce qui son travail est cool quoi vraiment je vais essayer de vous le mettre aussi en ouais faut pas qu'on hésite à faire des plans comme ça des recos de ce qui un peu ce qui nous a un peu sorti du côté obscur de la force là. Du train-train quotidien. Ah non, le train-train, c'est ouais. le train-train, c'est pas si mal en fait. C'est enfin ouais, c'est plutôt entre deux allocutions oui. De Macron, Darmanin et tout le bordel vraiment ambiant. Moi, je trouve que voilà, c'est pas. Il a fait une vidéo d'ailleurs, tiens. Récemment, Grégoire. Salut Révin Bell. Il y a aussi une heureuse de l'extrême. Il y a ouais. Aussi une question qui a été posée. Comme d'habitude, ce type, à chaque fois, un jour, je vous raconterai mon histoire avec ce garçon, il était dans ma classe, là. Il y a la Gannerie qui a sorti une nouvelle dinguerie, là. Il est insupportable, ce garçon. En revanche, il a, comme d'habitude, à sa façon très maladroite, il a posé quelque chose qui, moi, quand même, est une question que je me pose, en fait, et notamment ici, dans cet espace qu'on partage, quoi. Donc, lui, il est parti à base de « ça n'existe pas un sociologue de droite », quoi. Et il est même allé jusqu'à « on peut pas, il n'y a pas de pensée, en fait, à droite ». Ce qui est, sans rentrer dans ce truc-là, quoi, qui est moins inintéressant que ce que ça paraît, il y a une vraie question quand même par rapport aux sciences sociales. Et honnêtement, moi je serais assez radical en fait sur la question, et du coup ça nous interroge par rapport à notre démarche à nous. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une chaîne de vulgarisation politique, clairement pas, on l'a jamais été, on n'a jamais prétendu l'être, quoi. Enfin, une chaîne de vulgarisation de sciences sociales, on l'a jamais été. En revanche, effectivement, on mobilise assez régulièrement les sciences sociales qui sont notre... je compte l'histoire hein, dedans. Hein. Pour moi, l'histoire est une science sociale, quoi. Bon, ça serait aussi un autre débat, quoi. Mais bon, c'est quand même les cadres qu'on a tendance un petit peu à mobiliser. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question à se poser vis-à-vis des sciences sociales. C'est-à-dire que les sciences sociales appartiennent normalement au champ universitaire. Le champ universitaire, il a une certaine façon de fonctionner, par revue, avec une certaine méthodologie d'enquête, le concept de réflexivité de Bourdieu, comment est-ce qu'on neutralise ses grilles et ses biais, etc. Bon, il a comme ça... c'est bien plus intéressant d'ailleurs d'aller chercher du côté de Bourdieu que de Popper ou de je sais pas qui une certaine épistémologie des sciences sociales et
parce qu'au moins elle est assez simple, quoi. Il y a un champ universitaire, il y a des concurrences au sein du champ universitaire, il y a des articles et des enquêtes qui sont publiées, des concepts qui sont mobilisés, il y a une certaine éthique de la source qui doit être elle aussi mise en pratique, et le principe de réflexivité et de neutralisation des biais. Moi, pour moi, les sciences sociales, c'est ça, quoi. Maintenant, nous, est-ce qu'on fait ça? Non, bah non, non, nous, on n'est pas dans le champ universitaire. Maintenant, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où vous désessentialisez un discours, et ça, c'est ce qu'on fait, et ça, c'est ce qu'on a fait, et c'est une des éthiques de MAP, quoi. Ça veut dire être capable de dire, non, non, l'homme, c'est pas un loup pour l'homme, non, non, la concurrence est une construction historique, le capitalisme, alors certes, hein, quelque chose comme le capitalisme, je suis en train de revoir la série d'Arte, qui est vraiment très, très bien sur le capitalisme, et qui est très, très intéressante, quoi, donc qui tend plutôt à aller originer le capitalisme du côté du 16e siècle et de l'esclavage, et GG à eux pour ça, c'est vraiment très, très intéressant. Après, on pourrait s'interroger quand même... Pour quelqu'un comme Robert Castel, qui était un disciple de Foucault, il faut plutôt aller chercher du côté des marchands de Venise, au milieu du 14e siècle, les moments où les paysans, ils ont cessé d'être maîtres de leur production, et où c'est les marchands qui ont imposé... Bon, on pourrait aller... mais dans tous les cas, l'approche du capitalisme, non pas comme une espèce d'essence philosophique humaine, mais comme une construction socio-historique, ça reste quand même dans l'ADN de notre chaîne, quoi. Et du coup, c'est quelque chose que... Moi, qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est que moi, j'ai envie de dire, je serais assez radical sur ça. Ouais, pour moi, les sciences sociales sont de gauche, en fait. À partir du moment où vous désessentialisez, à partir du moment où vous sortez de la providence et de l'homme est un loup pour l'homme, vous vous retrouvez dans une démarche déconstructionniste, on pourrait dire, quoi, qui, fatalement, si vous le mettez sur les grandes orientations de notre chaîne, quoi, la déconstruction, la décolonisation, le déploiement des stratégies de pouvoir ou de contrôle et tout, etc., on se retrouve quand même dans quelque chose, en tout cas qu'on partage avec les sciences sociales, du côté du fait de faire apparaître en fait des phénomènes sociaux, non pas comme des événements spontanés, ni comme des produits de la providence ou comme des essences de l'homme, mais comme des constructions de pouvoir, quoi. Et donc voilà, je trouve que ouais. Donc du coup, merci Fissao. Et donc du coup, bah tu vois moi, ça peut jamais même croiser la science, Mathieu Bock-Côté, par définition, quoi. Et donc du coup, ok, pour faire la différence entre le champ politique dans lequel on a plutôt tendance, nous, à s'exprimer, même s'il faudrait y réfléchir, dans un champ politico-médiatique dans lequel on s'exprime, qui n'est pas le même que le champ universitaire. On n'écrit pas des revues, on n'est pas lié au nomos de ce champ-là, à ses règles de fonctionnement, etc. Maintenant, il y a une vraie question à avoir par rapport à notre utilisation des sciences sociales. Et je trouve que ça serait assez intéressant d'en discuter avec Grégoire ou avec Karim, ou avec Clémentine, ou Laure, pour reprendre des chaînes YouTube, donc Cinéma et Politique, Ghost Hunters, Politicon, ou la chaîne de Grégoire, quoi, pour voir un petit peu comment eux se situent aussi par rapport à ça, quoi. Et notamment, vu que, Antoine, tu vas nous parler du projet dans lequel tu es engagé, enfin, en tout cas, en quoi ça te stimule en ce moment de faire des sciences sociales, je trouve que c'est une vraie question qu'on a à avoir, quoi. C'est quoi notre rapport avec... et Andrea, je mets l'histoire dedans, quoi. Je pense que... Il faut que tu me dises d'ailleurs si tu penses qu'il y aurait vraiment une différence essentielle là, à ce niveau-là, entre l'histoire et les sciences sociales. C'est vrai que moi, j'ai tendance à mettre tout ça dedans, quoi. Voilà, c'était juste pour amener une petite pierre à l'édifice d'un truc qui me travaille depuis un petit bout de temps, quoi. Moi, je sais pas, hein, mais sciences sociales, sciences humaines et sociales, moi, c'est mon domaine. Histoire, anthropo, histoire économique, histoire des idées... Enfin, pour moi, j'ai fait une prépa Sciences Po également. J'ai pas eu le concours, mais bon, voilà, j'avais préparé à l'époque Sciences Po. Pas en prépa payante ou quoi, ou ni en prépa après le lycée, quoi. Mais bref, je me suis toujours intéressée à ça, de très près. J'en fais tous les jours, tous les jours. Dans l'exercice de mon métier, pas seulement, pour moi aussi, ça fait 20 ans que je lis des sciences humaines et sociales. 20 ans, plus même. Et en vrai de vrai, je ne vois pas pourquoi séparer. Il ne faut pas séparer ces champs. Bien sûr qu'ils ont il y a des champs spécifiques, il y a des méthodologies spécifiques, des approches qui sont différentes, c'est évident. Mais par exemple, quand je fais de la géographie, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir de l'économie ou de la socio.
En géo-humaine, hein, je ne parle pas, bien sûr, la climato. Encore que la climato, ça commence à devenir quelque chose d'extrêmement politique. On a le champ de l'histoire, évidemment. On a le champ des sciences. Il y a vraiment absolument aucune raison de cloisonner ad vitam aeternam des disciplines qui font partie d'une vie. Alors, bien sûr, d'un point de vue holistique, quoi. C'est tout ça. C'est très difficile après de ne pas tomber dans les généralités, le structuralisme un peu vain. Mais en fait, il y a un an de chaîne, un an de continuum, à regarder des mécanismes et des structures et des dispositifs aussi. Ça, c'est comme ça aussi. Je ne sais pas si c'est en histoire que j'ai appris ça, et je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit vraiment spécifiquement par une formation universitaire d'histoire et géographie, parce que j'ai une mention forte en géographie. Hein. C'était kiff-kiff pour moi. Je ne pense pas que ça soit spécifiquement là que je l'ai appris, mais ça m'a été infusé, ça c'est sûr. Voilà, ça a été de donner... Et c'est ce qui m'a beaucoup apporté, c'est l'étude de la colonialité, en fait. Pour voir les structures, les études décoloniales m'ont beaucoup apporté pour vraiment un peu, c'est peut-être un biais de confirmation comme quoi, il y a des structures à voir quand même, des dispositifs, des continuums, et ça n'empêche pas bien sûr toujours se méfier de, faut pas écraser des choses l'une contre l'autre, il faut pas ton comparatisme facile, il ne faut pas dans un relativisme un peu creux, mais c'est, je pense que c'est important de lier les champs, d'avoir une vision un peu globale de toutes les sciences humaines et sociales, bien que chacun ait ses spécificités et des choses spécifiques à apporter précisément, et pour une vision d'ensemble, et qu'on ne s'en sortira pas dans nos défis d'ailleurs environnementaux et politiques sans avoir en tête tout ça. D'autant que tu fais bien dire, et je pense que de toute façon on l'a vu, une discipline comme la géographie, elle est très franco-française d'ailleurs. Ça n'existe pas les géographies aux États-Unis, il y a des sociologues urbains, il y a des... Nous, en France, il y a une géographie qui était quand même, il faut le dire, très de droite, là, pour de bon, quoi. On a eu des folkloristes, on a eu des Jean-Robert Pitt, on a eu des administratifs, là, dans la foulée de la Datar, qui nous ont expliqué des trucs et tout, quoi. C'est vrai que, je sais pas, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Moi, je connais Jean Rivière à Nantes, qui s'assume comme géographe et qui a fait des choses qui étaient plutôt pas intéressantes, quoi. Mon frère, par exemple, s'assumerait pas du tout comme géographe. Mon frère, lui, s'assume comme sociologue urbain. Toi, en revanche, effectivement, tu t'hésites pas à utiliser. Et moi, je pense que tu as raison, en fait, et que il faut reconquérir la géographie, quoi. Et que maintenant, il faut, c'est ce que les Américains ils nous apprennent. On parlera peut-être un petit peu de la mort de Becker, là. C'est qu'ils ont quand même une transversalité de champ qui est drôlement intéressante aux États-Unis à ce niveau-là, quoi. Alors que c'est vrai qu'en France, on a eu une construction des champs. Moi, j'ai essayé de beaucoup m'intéresser à l'enfance cette année, quoi, de proposer plusieurs streams sur ça. Putain, c'est l'enfer pour trouver des psychologues et des sociologues qui discutent entre eux, quoi. Alors que il y a un moment... S'il y a des logiques de groupe qui se mettent en place au moment de la convergence des pubertés entre garçons et filles, c'est que les sociologues, la psychologie sociale et les psychologues doivent avoir un moment ou un autre quelque chose à se dire, quoi. Et quand on suit des travaux de sociologues de l'enfance, comme Lahir d'ailleurs, au passage, qui est aussi un sociologue de l'enfance, qui est aussi un sociologue des rêves, alors, ou de quelqu'un comme Wilfried Ligné, que j'aime bien, on voit bien que Wilfried Ligné, il arrive à écrire 400 pages sur l'enfance sans une seule notion de psychologie. Ce qui est à la fois intéressant de montrer qu'on puisse avoir un abord, notamment, il est très impressionnant comment il fait l'histoire sociale de la précocité, en expliquant comment on est passé de enfant précoce à enfant aujourd'hui, je ne sais plus comment on les appelle. Et donc, il arrive à montrer qu'en fait, là, il y a une construction qui date des années 70. Et c'est intéressant, quoi. Mais il y a un moment ou un autre, c'est cool, en fait, quand les disciplines arrivent un peu à se parler, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien...
Ce que tu nous as proposé, toi, cette année, du côté de la géographie historique, c'est que, à travers l'idée forte de décloisonnement et de continuum que tu as mis en place sur cette chaîne, ça te permet de ne pas faire de la géographie de droite, quoi, justement. Et ça te permet d'aller montrer comment il faut décoloniser l'écologie. Donc, du coup, le concept de décoloniser l'écologie, ça implique de la géographie physique, de la climato, de l'histoire, la remise en contexte dans des relations de pouvoir, etc., quoi. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va garder. On va pas, de toute façon, on n'appartiendra jamais au champ universitaire et ça sera jamais l'objectif, quoi. Mais je pense que ça valait le coup puisque ça a été une des maisons tutrices de notre chaîne, les sciences humaines et sociales, ça valait le coup de reposer un petit peu ces choses-là parce qu'on les a peut-être pas forcément explicitées. Antoine, je sais pas si tu voulais rajouter des trucs sur sujet-là. Au départ, moi, je parlais de tout ça parce que ça a pas mal occupé mon été, mais je vais faire comme dans tout les colloques justement qui se respectent. Je vais dire que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et je voudrais ajouter quelque chose. C'est que, en effet, enfin, ce qui est important pour nous, je crois, ce qu'on partage aussi, c'est de questionner les questions et de jamais prendre un énoncé pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que quand on va lire un énoncé, on va essayer de le décortiquer avec les outils qu'on a chacune et chacun à notre disposition. Donc Andrea a exposé les outils qui sont les siens. Les miens, ils sont ceux à moi aussi de l'histoire de ma formation et de mes aventures et mésaventures professionnelles notamment, mais pas seulement, parce que on n'est pas défini que comme ça, bien évidemment. Moi, en l'occurrence, j'ai fait un Sciences Po de province où on nous faisait le discours bullshit, comme vous vous en doutez, hein, ça existe pour de vrai, vous êtes l'élite de la nation, avec des étudiantes et étudiants qui y croient, hein, malheureusement, en plus. Donc on arrive vite à être plusieurs étudiantes et étudiants dans le même moule entre les réfractaires et celles et ceux qui adhèrent au discours, mais vous savez, l'adhésion comme quand on colle à un truc, voilà, sans aucune réflexivité, sans aucun, voilà, et avec un enseignement très pluridisciplinaire où on effleure beaucoup de choses sans en approfondir beaucoup, et avec tous les problèmes et les lacunes que ça pose derrière. Alors depuis l'époque où moi j'ai fait ça au début des années 2000, quand même un certain nombre de DEP ont évolué dans leurs enseignements et proposent des contenus plus intéressants, je trouve, parce que je continue à m'intéresser à ce qui est proposé dans un certain nombre des IEP que je connais et que je suis. Moi, je suis évidemment les contenus de ceux de ma région en priorité, Lyon et Grenoble, pour voir un petit peu ce qui s'y passe, ce qui s'y dit. Voilà, ça reste une grande école détachée des universités, avec le côté élitiste. Il a sauté, Antoine. L'école. Ouais, ratée. Okay. Attends, tu sautes un peu, ta co, elle saute un peu, Antoine. Ah, c'est chiant. Non. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air... C'est mieux, c'est revenu. Vas-y, d'accord. Vas-y. Désolé, les gens. Non, j'ai un peu freeze. Eh ben, si je freeze, je rafraîchis tout le monde. Non, mais voilà, je parlais un petit peu des IEP de province, des évolutions de Sciences Po, de ce que c'est et ce que ça n'est pas Sciences Po. C'était aussi un de nos objectifs, un de nos projets pour ce matin, c'est d'expliquer d'où on venait, ce qu'on avait fait. Moi, au départ, j'ai fait ça parce que je voulais faire du journalisme. Et j'ai bifurqué ensuite, pour des raisons essentiellement personnelles, vers d'autres choses, à savoir ce qu'on appelle la fonction publique territoriale, les collectivités locales. Et j'ai un parcours, moi, où j'ai passé le concours d'attaché territorial, je l'ai eu, j'ai été chargé de mission, responsable de service, directeur de service, et maintenant je suis une espèce de secrétaire de mairie dans une commune qui fait à peu près 3300 habitants. Voilà d'où je parle. Ah ouais, c'est cool ça. Vas-y, continue, parce qu'on va en discuter ça aussi par voilà. Le biais de ce que tu nous dis là. Donc, t'es secrétaire de mairie.
Tu as fait un Sciences Po de province et tu es secrétaire de mairie. Est-ce que tu songes porter une perruque blonde secrétaire de mairie bientôt? Désolé. Ouais, c'est... Non, mais oui, c'est tous ces intitulés attachés. Non, mais c'est très map, ça. c'est très map comme question. Un attaché, c'est quoi? À quoi c'est attaché? Un secrétaire de mairie, on pense tout de suite à la dactylographie et aux notes de service et aux factures à payer. Voilà, c'est très intéressant d'avoir à déconstruire tout ça quand, à côté de ça, nombreuses et nombreux parmi nous rêvent de municipalisme, d'agir local, d'un monde libertaire où les communautés s'autogéreraient, s'auto-organiseraient, le tout complètement déconnecté de toute contingence actuelle, de qu'est-ce qui existe déjà comme outil pour arriver un jour à ça, espérer arriver un jour à ça, et qu'est-ce qu'il existe comme obstacle aujourd'hui, et pas seulement renverser l'État. pour arriver à tout ça. Et c'est bien la raison pour laquelle, à titre personnel, je reviens de plus en plus vers les sciences sociales, je reviens de plus en plus vers le décortiquage de tout ça, parce que aussi mes 20 ans d'aventure et mes aventures professionnelles font que j'ai d'autant plus besoin au plan personnel de revenir à tout ça, quoi. Et du coup, cet été, sociologie, grosse envie de et démarche, début de démarche pour reprendre mes études. Et ça, je le dis sans détour, je le dois aussi à MAP et aux rencontres que j'ai faites grâce à MAP, quoi. Parce que ça m'a replongé dedans, mais de façon très très forte, quoi. Et salut toutes celles qui viennent d'arriver là, je vois qu'il y a Vulga, Octo qui passent, coucou à vous, j'espère que votre été se passe bien, un chouette parcours original, ouais Vulga. Moi j'ai fait un feat avec Vulga et depuis je me suis réinscrit en fac de droit, non je déconne, mais non pas j'adore. Et pourquoi pas? C'est un kiff, c'est une corde que j'avais pas à mon arc, parce que moi aussi quand j'ai voulu faire Sciences Po, de toute façon, après, il y a eu des problèmes sociaux graves dans ma famille. Et bon, j'étais dans mon petit HLM tranquille. Et puis, je suis allée à la fac d'histoire en face, quoi. En face de mon quartier, au Mirail, à Toulouse. Et la fac de droit était en ville. Enfin, Sciences Po était à côté de la fac de droit en ville. Fac de sciences sociales en ville. Et elle est droite, quoi. Vraiment très fort pour moi à l'époque. Et elle l'est, hein. Objectivement, c'est quand même une fac qui est trustée par... Ce sont des facs qui sont trustées par des droitards. Mais ça sera à refaire, j'aurais peut-être insisté. Moi, je voulais faire journaliste aussi, comme toi, Antoine. Bon, ma mère a eu des problèmes. Elle a été licenciée, pour faire bref. Je me suis retrouvée dans une situation un peu compliquée. On a été emmerdés, quoi, vraiment, par... tout un tas de problèmes qui s'enchaînent après ça. Et du coup, j'ai renoncé, quoi. Et aujourd'hui, me voilà sur MAP à faire journaliste du dimanche avec toi et Philippe. Mais c'est pas du journalisme, d'ailleurs. On revendique pas, même si on a été un peu sur une vibe média indépendante, dans le sens où, on propose des choses. Maintenant, nous ne sommes pas des journalistes, effectivement. C'est bizarre, hein, ce qu'on est, hein, franchement. Moi, je ne saurais pas dire ce qu'on est, quoi. C'est vrai, ouais, c'est à vous de le dire, peut-être, les copains et les copines, là, c'est ce que nous, on parce dégage. Parce qu'on n'est pas non plus on n'évolue pas dans un champ journalistique, quoi. C'est vrai que là, l'encodeur est en surcharge. Non, bon. C'est vrai que nous, on aime bien le travail de David Dufresne, quoi, qui, lui, je pense, s'assumerait comme étant un journaliste et qui a cherché assez vite dans sa construction sur Twitch à aller à obtenir l'appellation média indépendant, à s'inscrire dans des fondations qui soutiennent du street press, radio parleur, etc. quoi. Et donc je pense que lui, on est des rencontres. Ouais, voilà, un micro think tank. mais ouais, à la limite, ah coucou Jachou, quoi.
merci beaucoup pour le... Putain, les alertes, elles marchent, ça fait plaisir ça, que les alertes, elles marchent et tout. Et je trouve que vous les entendez en plus, quoi. Vous entendez même la musique de Chainsaw Man 2, quoi. Donc, du coup, c'est une vraie question, quoi. Donc, autant David, je pense qu'il s'assumerait comme un journaliste. Je sais même pas comment quelqu'un comme Politicon ou comme Cinéma et Politique se présenterait. Je sais qu'il se présente pas comme universitaire. Ça, c'est assez intéressant. Après, est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher une étiquette? Non, bien sûr que non. Sauf... Sauf, et ça, moi, ça c'est hyper important, c'est qu'on dise ce qu'on fait et qu'on fasse ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou à un autre, si on vous explique que, je sais pas, notre travail il est sourcé, qu'à un moment on vous dit non, ben ça c'est au doigt mouillé parce que ça va, on n'est pas des journalistes, tu vois. Il y a un problème d'honnêteté intellectuelle. Donc, pas d'étiquette, mais de l'honnêteté intellectuelle. Mais c'est une vraie question, quoi. Je pense pas que ce soit nécessaire qu'on aille s'étiqueter de toute façon, quoi. Excuse-moi, André, je t'ai coupé. Non, j'étais en train de faire des bêtises, là. Comment ? Non, je dis des bêtises, en plus, parce que je sais pas ce que tu peux faire avec ton thermomix. Est-ce que tu peux faire du froid, Jashugan ? Parce que là, on a Antoine qui met la clim, en fait, et là, si on a des glaces ou des granités, c'est parfait, tu sais, on est en train de fondre, en fait, avec les ordis allumés et tout. Les 40, ça y est, là. Non, je sais pas combien il fait, mais il fait chaud ! Et du coup, voilà, il y aura... Est-ce qu'il n'y a pas un droit tard là qui passe qui nous dirait que c'est l'été, qu'il fait chaud, c'est normal? Voilà. Non, c'est bon, on n'a que des gens de gauche ici. Donc voilà, qu'est-ce que MAP? Ben, écoutez-moi bien, Allez, je porte l'œil ou je porte pas l'œil? Non, normalement non. Hein. Mais Marshall, là, on n'a jamais eu de raid de faf, quoi. C'est bien, on est confidentiel, on est une chaîne de leftistes bien vénère pourtant. Et enfin, selon certains, il paraît que non. Mais quand même, nous on dit ouais, allez, on s'auto-proclame de gauche quand même, vas-y. Et il y a pas trop d'embêtements, quoi. Je veux dire, et là t'as Zippo qui non, dis pas ça, je vais avoir des raids de faf. Non, je te promets, on va t'aider au pire. Mais il y a pas de On est quoi, nous, MAP? Ben, on a été un think tank. Wow, franchement, vous êtes durs. Mais ouais, c'est ça un peu. C'est un peu ça, de gauche. Donc, a priori, comme on est encore un peu confidentiel, on n'est pas trop embêté. Mais en fait, les FAF découvrent le dimanche matin. Tu crois, ils sont... Ah, c'est des gens qui se lèvent pas le dimanche, ça. Ou alors, ils vont... Je sais pas. Ils sont trop occupés à faire des dingueries le samedi soir. Après, il y a la messe, hein. Voilà, messe. Aussi. Peut-être. Je sais pas. Non, on est sur un bon créneau pour être peut-être safe par rapport. C'est Yacine, il a trouvé la solution. Il prépare le barbecue, les photos avec la barbaque et le pinard. Ah ouais, c'est ça. Ah ben oui, c'est ça en fait. Ouais, l'été, ça doit ça être ça, ouais, plutôt. C'est ça. Ouais. Non, c'est cool. Le dimanche, on est bien là. On est bien en général. Entre tous là et vous toutes. Ouais. Ben, alors, d'ailleurs, on va garder. On va continuer, oui. Donc on a parlé un petit peu comme ça de l'ancrage sciences humaines et sociales de cette chaîne, de l'ancrage lié aussi à nos pratiques et nos parcours, quoi. Vous avez vu qu'on a essayé de développer plusieurs formats, parce que autant cette question de l'honnêteté intellectuelle, elle rejaillit aussi sur la façon dont on a organisé ces formats-là, quoi. Ça veut dire que je laisserai Antoine à parler de Cosmos Tempo, quoi, et on va vous parler tous ensemble de MAG. Je pense que MAG, nous, avec Andrea, quand on a Condère, je voyais ça, Octo, quoi, et GG, enfin, franchement, merci à toi, je voyais, ça fait 12 mois que t'es abonné, c'est une chaîne qui a à peu près un an, quoi, qui a un an, puisqu'on a commencé avec Andrea au mois d'août, donc la chaîne a un an, ce format MAG a été le premier qu'on a mis en place, quoi, et QCQTD, tu nous as rejoint d'ailleurs sur ce format-là, à base de... Et si on faisait un truc ensemble, on va parler de Frio et de Malin, je sais plus comment il s'appelle l'autre là. Milondo, Baptiste Milondo. Et donc, Jashou, c'est ton 13e mois. Le 13e mois, il est gratuit, non? Ouais, 13 mois pour Jashou, quoi. donc, du coup. Ouais, merci à vous deux, hein. Vraiment, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc, c'est vrai que Max, ouais, a été un peu notre premier format.
qu'on a un petit peu pensé. Qui, d'ailleurs, on l'avait pas forcément. En gros, globalement, on avait commencé par des choses qui étaient très actues, en fait, mais assez vite, on a débordé de l'actu pour vous présenter des dossiers. Et je pense que, mine de rien, si on regarde ce qu'on faisait ensemble au mois d'août l'année dernière, alors tout est perdu, quoi. Mais en revanche, ça ressemblait quand même déjà beaucoup à ce qu'on va vous proposer par la suite. On a assez vite trouvé notre formule dans nos préparations, c'est-à-dire des dossiers et tout. Et Andrea, toi, tu l'as orienté à la fois du côté des paniques morales et du côté du continuum. Et ensuite, nous, tous les trois, on a chacun à chaque fois apporté des choses qui pouvaient être liées à nos curiosités ou nos... nos curiosités ou nos formations personnelles, quoi. Moi, je trouve que, par exemple, Antoine, ton attachement pour Cosmos, c'est un peu à part. C'est vraiment... On en reparlera, mais c'est vrai que c'est un format qui se déploie à part de Mag, qui est lié vraiment à... qui est une friandise liée à ton travail et tes curiosités. Et encore que, mine de rien, les Cosmos se sont vachement politisés aussi au fur et à mesure, quoi. Mais c'est vrai que t'es venu au début à nous avec quelque chose qui était quand même très lié au tempo. On a très vite fait ensemble... Revenu universel, salaire à vie, etc. Ça, c'était notre premier travail. Mais assez vite, on a fait un travail sur l'histoire populaire de la Première Guerre mondiale, qui en fait est un tempo, si on regarde bien. Et donc, je vous laisse tous les deux. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu des formats, ou est-ce que vous voulez qu'on reste? Andrea, tu voulais rajouter des choses encore sur le MAG ou sur toi, ta formation, ou ce que tu voulais partager? N'hésitez pas. Moi, j'ai jamais été trop bavarde, on m'a jamais trop posé de questions non plus, donc je pense que, bref, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une formation en sciences humaines et sociales, histoire géo, beaucoup d'études personnelles sur compléter le panorama en sciences humaines et sociales, justement par beaucoup de sociaux ces dernières années, mais surtout beaucoup de politique, en fait. Mes premières amours, c'est l'histoire politique, et y compris celle des droites, en fait. Parce que moi je parle droitard LV2. On dit ça en déconnant souvent avec, c'est vrai que c'est souvent bon. Après c'est très personnel, mais il y en a qui me connaissent un peu, bon, au niveau du background, on va dire. Mais sinon, au niveau de la profession, là, oui, moi je suis prof de lycée pro, et c'est un peu différent, c'est pas tout à fait le même métier parfois que d'autres, hein. Compliqué à vous expliquer rapidement, mais le lycée pro, c'est un peu différent du lycée général, enfin, vous l'aurez compris, quoi. Mais en termes de méthode aussi, surtout. En termes de méthode, et c'est pour ça que j'ai adoré rencontrer avec Antoine de Paulo Freire, de choses comme ça, qui m'ont parlé beaucoup. Enfin, tu vois, Antoine, quand tu avais parlé de Paulo Freire, ça m'avait beaucoup, beaucoup intéressé, par exemple. Bon, voilà. Et puis sinon, quoi d'autre urbaine jusqu'au bout des ongles. J'habite actuellement pas chez moi, mon chez-moi de cœur, le Mirail, et j'aimerais bien y revenir. Sauf que, je peux pas actuellement, c'est compliqué. C'est pas possible de repartir là-bas. Donc je suis pas dans une ville en ce moment qui est très grande. Je suis dans une ville qui était industrielle, de type Manchester à la fin du 19e. Non, je déconne à peine, hein, parce que c'était la Manchester d'Auvergne. C'est un bassin industriel chimique qui périclite un peu, quoi. Un peu beaucoup. Dont les sols sont très pollués, dont l'avenir est plutôt sombre, puisque c'est... Bon, déjà, c'est des destins que je partage avec Antoine, être administré par Vauquier. Écoutez, faites des doigts pour nous, parce qu'on... vraiment pas à la fête avec ce genre de d'administration de droite sociale qui se cumule avec en plus des mairies les Républicains de mon côté, en tout cas, et un avenir plutôt pas cool, quoi, puisque ils vont rouvrir par chez moi une mine de lithium, donc
Au niveau écologique, j'en apprends tous les jours sur, voilà, sur l'Auvergne est censée être réservoir d'eau. Et pas tant que ça, en fait, entre les sécheresses et les pollutions des sols ou des mines d'uranium qui ont été comblées juste avec de l'eau. On est vraiment voilà, dans une région qui n'est pas si verte que ça au niveau de la gestion et du quotidien des gens. On a des méga-bassines, nous aussi, d'ailleurs, en prévision. Voilà, donc au niveau de... Moi, je me suis intéressée à cette région de l'Auvergne parce que j'ai pas eu le choix. J'y vis, donc j'aime bien m'intéresser aux endroits où je vis, plutôt que de me lamenter sempiternellement sur « Oh là là, je peux pas rentrer chez moi ». J'ai essayé de comprendre un peu ce qui se passait ici. Et c'est vraiment intéressant de voir un peu au-delà des clichés, même que j'avais moi la première aussi sur la région Auvergne, ce qui s'y passe réellement en termes de politique, en termes d'environnement, en termes de tout, quoi. Et bon, après, je vous cache pas que voilà, mes tours me manquent et Babylone me manque, hein, pour faire bref. Je suis vraiment une fille de la ville. Et l'ambiance petit propriétaire de province me gonfle sévèrement, quand même, parfois. Donc ça me permet de m'intéresser à, bon, par ailleurs, à ce que politiquement ça veut dire. Cette ambiance de diligentisme qui n'en est pas un, mais qui a la vibe, ces choses-là, quoi. Et ça a nourri, tout ça, ça nourrit qui on est et où on habite, ça nourrit beaucoup aussi nos réflexions sur MAP, j'ai trouvé. Il y a où on était, où on est, où on veut aller, ça marche bien pour nos quoi, et tes tempos, Antoine, et tout ça. Voilà. Et sur MAP, moi, j'ai l'intention de continuer à me nourrir d'un peu tout ça. À la fois cette base théorique et à la fois cette base empirique. Parce que je suis quelqu'un qui aime vivre vraiment les yeux bien ouverts sur où j'habite, quoi. Peut-être prochaine étape, voir un petit peu ce qui se fait de bien aussi et ce qui est à valoriser et à voir un peu, parce qu'il y a des gens qui se fédèrent ici, il y a des initiatives qui se prennent au niveau local qui peut-être sur lesquelles j'ai été un peu aveugle, un peu dans mon... J'ai pas du ressentiment, mais j'ai un peu le côté, je suis très nostalgique de voilà là où j'étais avant, et donc je me suis pas trop investie, moi, par exemple, dans le milieu associatif de ma région, d'habitation actuelle. C'est peut-être la deuxième étape, essayer de voir... Bon, j'exerce un métier qui a un caractère social, hein, aussi, donc ça, déjà, ça m'occupe beaucoup, parce que le destin des mômes qui sont en face de moi, ça m'intéresse aussi pour faire le savior, pour voir un peu dans quelles conditions ils vivent. Et parfois, c'est difficile. Notamment, moi, je m'étais intéressée, peut-être ça sera la prochaine étape aussi, m'intéresser d'abord à ce que vivent les mineurs isolés ici et les gens qui sont arrivés dans la région avec bagage plutôt lourd et qui se heurtent d'ailleurs à un système éducatif et un système préfectoral aussi, puisque la préfecture de l'Allier, c'est une des plus dures. Avec ces mineurs, voir un peu comment on peut faire pour que les choses avancent. Voilà. De ce côté-là. Parce que, voilà, voir un peu aussi au-delà de ce que ça veut dire être prof, être aussi certainement et en priorité un humain qui vit avec des gens autour. Je suis un peu autiste, hein, donc c'est vrai que des fois j'ai du mal. Mais jamais avec les ados. Je suis très heureuse de travailler avec des adolescents. Ça, c'est où que ce soit, je n'aurai aucun regret. Cette mutation, c'est une punition au départ pour moi, et puis c'est devenu très intéressant au niveau personnel de me rendre compte pourquoi que vraiment ce public, où qu'il soit, c'est le mien, quoi. C'est celui que je préfère. Ce qui n'empêche pas que j'ai des problèmes psychosociaux avec les adultes de mon âge, souvent. Et que aussi ça m'intéressera de voir un petit peu, de creuser un peu ce que ça veut dire d'être atypique dans un système validiste, quoi, et psychophobe. Et ça me permet d'avancer pour moi et aussi pour des jeunes, par exemple, qui sont dans le même cas que moi ou qui sont dans des problématiques différentes, mais qui reviennent au même en termes de dispositifs oppressifs sur eux.
et qui très, très, ça me nourrit beaucoup, voilà, d'aller creuser de ce côté-là. Merci pour tous ces partages. Hein. C'est... Sinon, c'était... je suis une petite fille de. Ouais, mais je te remercie. Sinon, petit dernier détail, je suis une petite fille de résistant FTP et j'emmerde les fascistes. Voilà, c'est ça, ça bouge pas, ça. Ça bouge pas. Les gens moulins de Twitter, je les emmerde aussi. Que les choses soient bien claires. Voilà. C'est-à-dire voilà. Tous ceux qui donnent des leçons alors qu'ils sont pas du tout placés pour. Pour en donner. Non, même pas. Mais c'est, tu vois, c'est là, il y a une inversion des choses qui est problématique et je vais continuer à m'intéresser à ce qui m'intéresse depuis toujours, la montée du fascisme. Comment on fait quoi par rapport à ça quoi. Ça c'est ça m'intéresse depuis. Mais ça c'est familial. Hein. Donc voilà. Et Dieu sait que les fachos ici, dans ma région, c'est un problème aussi, comme dans d'autres, j'imagine. Voilà. Mais qu'ils soient organisés et qu'ils fassent des choses réellement préjudiciables à l'intégrité des gens, ou alors qu'ils soient carrément juchés sur un siège de mairie ou dans des institutions, parce que ça, c'est important aussi. Voilà. Et peut-être un engagement politique à venir un de ces jours, j'en sais rien. Municipal ou quoi, je sais pas. Ça m'étonnerait fort, mais... C'est quelque chose que toi, par exemple, j'admire beaucoup, Antoine, de ce que tu as fait, toi, de ton travail par rapport à ça. Et ça ne doit pas être facile tous les jours, mais non. C'est important. Et Philippe, dans la territoriale, en plus, vous êtes vous sur... Et ça d'ailleurs beaucoup nourri MAP aussi, vos apports sur dans des champs un peu différents, mais quand même, voilà, c'était intéressant de travailler avec vous pour ça aussi. Ça m'a donné... plus de perspectives à moi aussi. Ça, c'est une vraie question qui se pose aussi, qui permet aussi de rebondir peut-être aussi sur une thématique qui nous a tous un petit peu travaillé, quoi. Moi, par exemple, tout seul, il est évident que j'aurais jamais... c'est parce que vous êtes là tous les deux que finalement, j'ai assez peu de... Comment dire ? J'ai eu... C'est assez compliqué en fait. C'est la question de qu'est-ce que c'est qu'ouvrir sa gueule dans le monde dans lequel on vit. C'est une vraie question compliquée. Hein. Ça veut dire qu'est-ce que c'est de prétendre en fait ajouter un discours à un vacarme ambiant quoi. Est-ce que et quel est à la fois le fil de l'honnêteté, le fil de la lutte, le fil de etc. Donc c'est vrai que il y a une première solution en fait et qu'on a commencé à essayer d'exploiter et d'explorer du côté de MAP et qu'on continuera à explorer, c'est cette question des concernés quoi. Ça veut dire, moi je suis très très fier, je vais le dire et tout, je suis très très content du stream que j'ai fait avec mes deux étudiants où ils ont parlé de leur trajectoire de vie quoi et où ils ont parlé TDI. Transition, etc. quoi. Et donc je trouvais que c'était voilà que c'était important et on reparlera un petit peu du stream qu'on a fait avec Florence ou d'un certain nombre d'espaces qu'on prend chacun dans la prise de parole par rapport à quand on peut être concerné ou alors comment est-ce qu'on se situe quand on l'est pas. Donc du coup c'est une vraie question ça. C'est-à-dire quelle est la place de la parole des concernés, comment donner la parole, c'est aussi la philosophie de Tempo sur laquelle tu vas revenir, Antoine, quoi. Et donc ça, c'est une vraie question. Maintenant, après, ça implique aussi, du coup, en réciproque du statut de la parole quand on n'est pas concerné, justement. Et donc, qu'est-ce que ça implique ? Moi, il est évident que, sans toi, Andrea, il y a des trucs que j'aurais jamais développés cette année, parce que juste, je sais pas, soit parce que le sujet m'aurait impressionné, soit parce que je me sens pas légitime, soit parce que je ne suis pas, soit, etc., tout ce qu'on veut, quoi. Mais j'avais l'impression que, vu la démarche dans laquelle on se lançait, pourquoi pas aller travailler sur la loi de 46 de départementalisation et essayer d'aller expliquer ce qui se passe en Amazonie. Alors, est-ce qu'on explique ? Non, on relaie en fait de la parole. Et je me rappelle que quand on avait fait nos deux streams autour de la départementalisation,
si vous réécoutez la partie, les parties qu'on a faites chacun, il y a beaucoup la parole qui est donnée à travers des podcasts là à des gens qui sont là-bas quoi. Moi j'avais fait entendre la voix de ce qu'on appelle juridiquement aussi des chefs coutumiers, que ce soit en Amazonie, surtout en Amazonie dans le contexte de la Guyane quoi, ou alors ce monsieur qui expliquait qu'il y avait des mémoires contradictoires qui se disaient dans la ville parce qu'à tel endroit il y avait telle statue et à tel endroit il y avait un nom de rue et que les deux ne se correspondaient pas dans le rapport avec la mémoire de l'esclavage, etc. Donc c'est une vraie question quoi, et c'est une question qui ne peut pas être close en fait, qu'il faut se poser sans arrêt en fait. Je pense que produire du discours implique tout le temps de réfléchir à la place qu'on a au moment où on produit ce discours-là. Voilà. Et est-ce qu'on a réussi à résoudre ces problèmes-là ? Sans doute pas, quoi. Est-ce qu'on était conscient de ces problèmes-là ? Est-ce qu'on se les sans arrêt posé tout au long de l'année dans nos préparations ? Oui, vraiment, quoi. Mais voilà, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à cette problématique-là. Il y a beaucoup de choses à dire. sur les formats et ce qu'ils disent de ce qu'on a voulu mettre un petit peu dans le projet, c'est vrai que ça s'est construit un petit peu de façon empirique aussi. Hein. Moi, j'ai l'été dernier, je me suis enfin lancé. J'ai profité que j'avais du temps, et avoir du temps pour soi, c'est déjà un luxe. Il faut se le dire aussi, et se dire qu'on en a conscience quand on en bénéficie, c'est déjà un premier pas, je dirais. Et aussi, qu'est-ce qu'on en fait et comment on le partage derrière ce temps. Il n'y a pas que le temps de travail qui peut se partager, et c'est ça aussi un enjeu pour moi de qu'est-ce qu'on peut partager sur Twitch notamment, sur ce canal-là comme sur d'autres. Et donc, pour revenir au fait que l'été dernier, j'ai eu le temps, enfin, de lire ce bouquin, Une histoire populaire des États-Unis, d'Howard Zinn. ça y est, j'avais pas encore parlé d'Howard Zinn ce matin. Et du coup, je suis tombé sur son approche de l'histoire populaire. Et c'est ça qui m'a donné envie d'en parler aussi sur Twitch. D'abord sur ma chaîne, quand je faisais fonctionner ma chaîne. Et ensuite, avec vous, effectivement, à travers le live qu'on avait fait sur l'histoire populaire de la Première Guerre mondiale. Et puis depuis, ce format Tempo qui vise à parler d'histoire, alors même que on peut dire hein, que je suis moins légitime que Andrea pour le faire, puisque je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, moi. La question, c'est du coup, de quoi on peut parler quand on n'a pas le diplôme à brandir pour en parler. Et ça aussi, ça doit nous traverser et nous interroger et nous apporter toute l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la même chose que l'humiliation. Ça n'est pas se flageller en se disant je suis nul, je n'ai pas la légitimité. L'humilité, c'est pour moi, c'est un mélange d'écoute, de questionnement et de réflexivité sur qu'est-ce qu'on a à partager et dans quelle mesure on est égoïste et dans quelle mesure on peut proposer des choses pour que avec l'espoir que ça et la conviction, parce qu'il faut de la conviction aussi, soyons clairs, et tournons pas non plus autour des pots, la conviction que ça peut être utile à un moment donné, voilà, l'envie que ça soit utile, en tout cas la volonté que ça soit utile. Donc sur l'histoire populaire, c'est l'histoire vue par les vaincus, vu par les victimes. Et justement, c'est quoi ce statut de vaincu et de victime ? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fatal ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est une catégorisation, là aussi, qu'on peut dépasser ? Le travail de Howard Zinn par rapport à ça, moi, m'a marqué et j'ai eu envie de le décliner à travers plusieurs formats qu'on a proposés, donc soit à plusieurs, soit tout seul. J'en profite pour le dire et le redire, hein. Aucun de nos formats qu'on propose ne sont des formats qui sont individuels ni individualistes. Dès lors qu'il est possible de préparer des choses à plusieurs, ça vaut pour Tempo comme pour Cosmos,
Faisons-le. Et pour Tempo, donc, bah, par exemple, on avait, ça n'a pas pu se faire, mais on avait prévu de faire un Tempo à deux sur le travail de David Graeber, sur la dette et sur le travail. Ça n'a pas été possible, mais voilà, l'intention était là. Voilà. Alors, Déméter, tu dis, la réciproque aussi doit se poser, est-ce qu'un diplôme est valable à vie concernant l'opinion sur un sujet ? Non, absolument pas. Mais c'est pour autant, la question de la certification et de la qualification durable, elle se pose aussi dans un univers où on remet sans cesse en cause nos compétences, nos capacités d'agir et notre expertise. C'est une question en fait assez compliquée là que tu poses, Déméter, mais très intéressante. Le statut du diplôme, le statut universitaire, Philippe le disait tout à l'heure, on n'a pas prétention à être des universitaires, mais en même temps, le monde universitaire est un monde qui est en grande souffrance. Et pourtant, j'ai envie et j'ai l'intention de le côtoyer de plus en plus dans les prochains temps qui viennent pour ce qui me concerne. Je travaille à me donner les moyens de le faire. Et effectivement, ça n'est pas donné à tout le monde de la capacité à reprendre des études. Hein. Ça aussi, il faut se le dire. Voilà, le monde universitaire est aussi un monde actuellement en très grande souffrance depuis longtemps. Et c'est pas les classements de Shanghai, bien évidemment. Ça aussi, on pourrait le démonter bien proprement. Qui vont nous aider à avoir une meilleure image de tout ça. Voilà. C'est aussi revenir, l'histoire populaire, sur des batailles qu'on a perdues, et malgré les batailles qui sont perdues, quels sont les signaux faibles, positifs, et les déjà-là, cette notion de déjà-là aussi m'intéresse beaucoup, qu'on peut essayer de retirer de ce qui s'est passé dans le passé. On a vu souvent dans des tempos aussi que il y avait des choses qui s'étaient passées dans le passé qui faisaient très 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 fortement écho avec ce qu'on vivait actuellement. Évidemment, l'année, elle a été marquée par le mouvement contre la contre-réforme des retraites. Et là, on a vu là aussi les fameux continuums dont parle beaucoup Andrea se dégager. Plus d'une fois, ça n'est pas un hasard. Si je reviens à l'université, du coup, quand je parle de... Si on veut faire une histoire populaire de l'université, c'est éventuellement essayer de faire une histoire populaire de sauvons la recherche, sauvons les doctorantes et doctorants, sauvons les athères, sauvons les travaux de thèse. Il y a énormément de boulot, quoi. Et on pourrait revenir là-dessus de façon plus détaillée. Quant à Cosmos, tu parlais tout à l'heure de Cosmos, Philippe. Ouais, moi j'ai voulu aussi ce format, justement, parce que aujourd'hui il y a aussi un problème d'accaparement, hein, sur ce qu'on appelle les sciences dures ou les sciences tout court, quand on veut dénier aux sciences humaines et sociales le statut de science et la scientificité de ces disciplines-là. Là aussi, on aurait plein de contenu et de recos à partager sur le sujet. Mais l'idée, c'était vraiment ça. Hein. Cosmos, c'est parler évidemment d'astronomie, d'astrophysique, avec un regard qui est un regard qui est celui de MAP. C'est-à-dire que je le rappelle aussi au passage, hein, on a un manifeste. Le manifeste, il a été écrit avec les tripes. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur notre chaîne YouTube notamment. Faire de l'astronomie, c'est aussi parler de nous. C'est parler de notre rapport au monde, à ce qui nous entoure, à notre statut d'humanité et d'humain dans le genre, dans le règne animal, dans le vivant, les choses telles qu'elles sont, ou telles qu'on sait qu'elles sont à l'instant T, au moment où on parle. Et donc, y compris moi, prochainement, je vous parlerai de trous noirs. Moi, j'aime bien montrer, y compris, que les trous noirs, c'est beaucoup plus politique qu'il y paraît. Et que la façon de décrire un trou noir, la façon de dire ce qu'on dit sur les trous noirs, la façon, les mots qu'on utilise pour les décrire, tout ça, ça dit des choses bien au-delà de « oh là là, c'est magnifique un trou noir ». Même si oui,
C'est magnifique, un trou noir, bien sûr. Et c'est énorme. Et c'est décontenançant. Et voilà, quoi. Enfin, donc voilà, il y a un peu de tout ça dans Cosmos. Cosmos, c'est aussi de la culture pop. J'ai voulu vous en proposer un peu et je continuerai à vous en proposer parce qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Et voilà, on reste toujours sur les idées que Map, c'est pas juste des additions de contenu, c'est un ensemble de choses qui a pas mal de cohérence, quoi. Les réflexions de Morano, pas ouf comme trou noir. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à tes questions, mais voilà. Si. Et comment du coup tu... moi, j'ai un peu de mal avec la... je suis pas au point, en fait, avec ce concept d'éducation populaire. Comment est-ce que... Globalement, moi, c'est vrai que j'ai une petite pratique, mais que j'essaye de développer un max de d'action territoriale, quoi, notamment de d'action culturelle. Et j'ai fait un master sur les tiers-lieux, et à ce moment-là, sur qu'est-ce que c'est qu'un espace artistique partagé. Et j'avais l'occasion de partager avec pour mon enquête, en fait, de rencontrer beaucoup d'artistes, quoi, qui étaient dans des démarches très très différentes. Et notamment, certains d'entre eux, d'entre elles, qui étaient engagés dans des démarches collaboratives, participatives, et le troisième, je ne me rappelle plus, trois qui sont très très différents. Collectives, collaboratives, participatives, c'est trois approches très très différentes d'un projet artistique, quoi. Et d'autres artistes, à l'inverse, qui me disaient... je fais une proposition, quoi, et j'ai pas du tout l'ADN participatif dans ce travail. Il n'y a aucun ADN participatif, ça m'intéresse pas du tout d'aller vers là-bas, et d'autant qu'en plus il y a énormément d'artistes qui sont allés cocher des cases en proposant du participatif bidon, quoi. Et donc je préfère une artiste qui dise moi je suis là pour faire une proposition, quoi. Il y a des streamers, par exemple, qui font des propositions, c'est-à-dire qui se moquent bien de créer un collectif ou pas, et qui sont là pour faire des propositions, ajouter un discours au monde, quoi. Et c'est pas bien ou pas bien, en fait, quoi. Après, il faut que ce soit honnête dans la démarche, mais là, le critère de validité d'un discours reste quand même l'honnêteté, puis les quelques trucs qu'on a mis en place. Mais on peut très bien dire, voilà, moi, je suis pas là pour faire partie d'un collectif, par exemple, mais je suis là pour proposer quelque chose et faire profiter de mes recherches des personnes, quoi. Comment est-ce que tu situes, en fait, le concept d'éducation populaire? Comment est-ce que tu le relis à la question du collectif? Pareil pour toi, Andréa, hein, je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille, quoi? Et est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, doit continuer à travailler la chaîne? Pour moi, oui, par exemple. Même si je ne serais pas forcément capable de bien définir les contours de ça. Voilà. Ben, Andrea parlait de Paulo Freire tout à l'heure. Paulo Freire, son mantra, hein, ce qu'il est souvent cité et récupéré, parfois aussi, d'ailleurs, c'est « personne n'éduque personne ». Donc, c'est-à-dire, pour le dire autrement, en fait, qu'on le veuille ou non, on s'éduque toutes et tous, les uns les autres, de façon volontaire ou involontaire, parce que nos simples interactions nous apprennent sur une posture, un comportement. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est pas valable, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a pas. Avec chacun nos prismes et nos grilles de lecture, qui sont là aussi des choses qui sont pas conscientisées. C'est bien tout le travail des sciences humaines et sociales, à mon avis, de nous apporter quelque chose par rapport à tout ça, de comprendre de meilleure façon qui on est. Et du coup, tout l'enjeu de l'éducation populaire, c'est de dire, à partir du moment où on a conscience de ça, quels sont les dispositifs éducatifs qui, eux, de façon volontaire, cherchent à agir sur tout ça, pas que de façon volontaire ou assumée, ou exprimée, d'ailleurs. Donc, quels sont les dispositifs formels, comment on les décrypte au regard de ça, et ensuite, par rapport aux dispositifs plus informels, comment on peut mieux les utiliser à partir du moment où on les connaît mieux, où on a conscience de tout ça, pour s'apprendre les unes et les uns les autres dans une visée
d'émancipation. Alors après, je ne sais pas s'il faut apporter une définition de l'émancipation, mais moi, c'est, voilà, c'est un mot qui me parle et que j'aime bien utiliser, en tout cas. Et chacun a sa place avec plus ou moins ses moyens. Alors, je ne veux pas entrer dans le discours du colibri, quoi, c'est une entreprise de à la fois de déconstruction, mais aussi de tentative d'apporter aussi autre chose. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tout cramé ? Pour le dire comme ça aussi, ça va parler. Ça, c'est, on parle d'expression assez actuelle. Une fois qu'on a dit bah, si, non merci, à quoi on dit oui merci ? Voilà, à quoi on dit oui ? Qu'est-ce qui est déjà là ? C'est pour ça qu'avec toutes les critiques qu'on peut apporter, notamment aux travaux d'un Bernard Friot, eh ben, il y a des choses intéressantes à en retirer. Ça n'engage que moi. mais je le dis. Et voilà. Enfin, l'éducation populaire, c'est de dire aussi, enfin, il y en a marre de considérer qu'on ne peut pas s'éduquer, se former, apprendre tout au long de la vie. Est-ce que il ne faudrait pas plutôt vivre dans une société où ça c'est reconnu, où c'est organisé, déjà où c'est permis, c'est un outil d'émancipation et donc on pourrait le qualifier d'outil révolutionnaire, pas dans le sens du grand soir, mais dans le sens où il est tout à fait question. Que ces outils-là, mis entre les mains du plus grand nombre, bah, servent au plus grand nombre pour renverser toutes les dominations dont nous souffrons, et certaines et certains plus que d'autres. Voilà. C'est la réponse que je peux te faire, là, comme ça, à chaud. Bon, à chaud dans tous les sens du terme. Et quant à moi, je pense qu'il n'y a vraiment aucune institution qui n'émancipe les gens. Je suis un peu sur la pensée de Jacques Rancière, qui touche quelque chose d'important. Je fais partie d'une institution qui est censée distribuer du savoir et de l'émancipation par le savoir. Et c'est pour ça que je réfléchis beaucoup à ça, sur le fonctionnement pernicieux que l'enseignement peut avoir, sur, en plus des violences institutionnelles auxquelles l'éducation participe largement. Et notamment, depuis quelques années, on a un durcissement d'ailleurs de la violence institutionnelle à l'égard des minorités. Mais je pense que voilà, ce que tu dis, ça me parle beaucoup sur l'émancipation, enfin, sur l'esprit, ce qu'on appelle aussi l'esprit critique, tout ça vient de nous, effectivement, des interactions avec les gens, d'une certaine forme de praxis, de ce que l'on voit, de ce que l'on expérimente, de ce que l'on partage, ce à quoi on se confronte aussi. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est très, ouais, très, très important de parler, enfin, de la même façon que Frère disait personne n'éduque personne. Moi, j'ai envie de te dire personne n'émancipe personne. C'est là-dessus, c'est peut-être un peu radical, mais pour moi, c'est ça, quoi. On n'est pas là pour émanciper les gens. D'ailleurs, aucune institution ne le fait, et nous ne sommes pas là pour émanciper les gens, mais pour nous émanciper nous-mêmes et c'est voir ce qu'on peut faire en collectif à un moment donné, effectivement, pour ça, quoi. Mais il n'y a pas de recette d'émancipation qui ne soit pas d'ailleurs ou alors en tout cas moi je suis là pour interroger aussi tout ce qu'on appelle émancipation par tu vois par exemple on a beaucoup parlé de développement, c'est un mot de la géographie, le développement. Bon ben voilà, ce regard, moi je suis là pour décentrer un peu aussi, me décentrer sur c'est ce que les études décoloniales m'ont appris. Hein, à voir que non, on n'est pas là pour paternaliser ou pour émanciper ou développer les gens par un quelconque biais, quoi. On est là dans une entreprise de relations. On en a parlé souvent sur l'écologie, hein, Philippe, ce rapport de relation
hein, qui pourrait, qui est encore à construire, en fait, vu qu'il y a un rapport colonial pour beaucoup de choses, et européano-centré, en l'occurrence. Et bon, moi, je suis internationaliste, hein, donc voilà, ça me préoccupe beaucoup de voir que... Moi, c'est un des piliers de ma pensée, l'internationalisme. Effectivement... Sur l'émancipation, beaucoup, beaucoup de questionnements. Je ne suis pas arrivée au bout du chemin, loin s'en faut. D'ailleurs, c'est un chemin de toute une vie, je crois. Voilà. Et sans obligation de réussite. C'est ça le truc. Et voilà, c'est juste ce que je voulais poser là. C'est un peu peut-être... Mais je crois qu'enfin, j'aimerais beaucoup qu'on y revienne, ouais. En spiralaire, comme on fait souvent... Voilà, on fait beaucoup de, on revient beaucoup sur, et ça m'a beaucoup apporté sur avec MAP, de creuser, de tirer des fils, de relier des choses, de voir un petit peu que ça fait un tout ça, et qu'on n'est pas, il y a une grosse pelote de laine à démêler, quoi. Si je peux me permettre une de type ménagère, on détricote des trucs, mais on en tricote d'autres, et il faut tirer pour ça, il y a beaucoup de choses à démêler, quoi. Et pour le coup, l'émancipation fait partie de ces gros concepts à démêler aussi, et à relier avec beaucoup de choses que nous avons abordées jusque là, je trouve, avec tous les camarades du chat et tous les trois, quoi. Voilà, sur l'éducation et l'émancipation, déjà elles ne peuvent être incitées sont efficaces. Après, bah, vous avez tous raison, la Zippo, Shisao et tout, etc. Elles sont bien, vos formulations. Là. Zippo, t'as raison, s'émanciper de quoi on est tellement ancré dans ce monde qu'on nous vend. Et Shisao, toi, tu disais, j'aimais bien ça. Est-ce que l'idée, c'est de favoriser un contexte d'émancipation? Bon, de toute façon, tu as employé le terme, hein, le terme de paternaliste. Donc, quand vous assistez à des réunions à la mairie, vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'associations qui sont dans des démarches qui, parfois, sont sans doute très sincères, hein, mais qui sont hyper ancrées dans quelque chose de très paternaliste, quoi. Donc, on a des gamins de 20 ans qui prétendent expliquer à des dames dans le quartier ou à des hommes dans le quartier. Comment ils vont faire la cuisine, quoi. Donc on voit bien les limites un petit peu des actions municipales qui peuvent être très paternalistes, quoi, et hyper coloniales au passage. Et d'un autre côté, effectivement, favoriser un contexte d'émancipation, c'est pareil, c'est la position. Quand vous faites de l'action municipale, vous rendez compte, c'est un exemple que je vous avais déjà donné, vous organisez une fête municipale plutôt sympa et tout, avec des gens qui participent à l'organisation de cette fête-là et tout, et quand à la fin de la fête vous descendez, vous rendez compte qu'il y a trois fois plus de personnes qui sont installées à l'endroit où la mairie a bien accepté de vouloir mettre des barbecues, quoi. Et donc du coup, la question c'est, est-ce qu'il faut pas le faire ou pas? Est-ce que là nous on n'est pas la mairie, hein. Moi je fais pas, enfin notre chaîne fait pas de la fête municipale, hein. Moi ça me pose tout un tas de problèmes intellectuels, politiques et tout, mais là dans le côté il y a un truc au moins qui est chouette, c'est que au moins là il y a une proposition qui est faite et qui vise à être saisie ou pas à être saisie, quoi. Et donc c'est vrai que nous on travaille pas avec public captif, comme on dit, on n'est pas l'éducation nationale, on n'est pas un centre de loisirs, on n'est pas, j'en sais rien, quoi. Chacun deux organes qui ont des problèmes politiques très particuliers l'un et l'autre, quoi. Mais effectivement, créer des conditions pour qu'il y ait des possibilités d'appropriation, au bon sens du terme, hein, d'appropriation et pas d'accaparement, quoi. Pourquoi pas, quoi. Alors après, moi, je pense qu'il y a quand même deux ou trois points qui, là, cette fois-ci, sont plus liés à la chaîne, quoi. Le premier, c'est effectivement continuer notre travail vis-à-vis des concernés. On en reparlera. Je pense que ça, c'est important. On va essayer de multiplier des formats qui soient en guest aussi, quoi. Je laisserai Antoine ou Andrea, l'un de vous deux, reparler de notre expérience avec Florence et de comment il y aurait possibilité d'aller poursuivre ce type d'initiative-là. Et puis, deuxièmement, bah, moi, effectivement, quelque chose auquel je rêve beaucoup, quoi, même si c'est pas l'année prochaine, dans 2 ans, mais que l'IRL reste quand même un horizon, quoi.
j'ai vu qu'il y avait voilà que pas seulement l'IRL où on organiserait un festival ou je sais pas quoi, même si c'est quelque chose qui me travaille beaucoup sur des modèles de convention un petit peu quoi, la possibilité comme ça de se rencontrer et de permettre à des jeunes streamers de pouvoir s'approprier des outils, de vivre un moment convivial, de participer à des interventions et surtout des ateliers à l'intérieur de ce type de convention là, qui soient des ateliers collectifs, et donc du coup ce type d'événement là ils se poursuivent après dans des objets collaboratifs. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup quoi, maintenant si c'est pas, ça peut être dans 2 ans ou 3 ans quoi, mais c'est intéressant d'avoir comme horizon, et en horizon un petit peu plus proche, quelque chose qu'Antoine t'a fait toi déjà cette année, mais quelque chose qui est la sonorisation de rencontres ou le fait d'ancrer aussi certains de nos formats sur des événements IRL qui pourraient se passer quoi. Donc je pense qu'il y a la première question en fait qui est intéressante, c'est voilà cette question de l'IRL qui peut être reposée d'une façon ou d'une autre quoi, même seulement comme horizon. Deuxièmement cette question encore une fois des concernés quoi. Et troisièmement, sur le fait que on a choisi nous tous les trois de pas faire des choses tout seul et de faire des choses ensemble, qu'est-ce que ça implique aussi quoi ? C'est-à-dire là, on est quand même dans un choix particulier. Notre format le plus collectif pour l'instant, c'est le format pop, qui est un format auquel on est tous très 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 attachés quoi. Mais je vais laisser Andrea parler de pop au moment où tu voudras en parler. Mais voilà, je trouve qu'il y a ces trois points, un horizon IRL de sonorisation de rencontres et de choses qui se passent quoi, la question des concernés et cette question du collectif quoi, qui me paraissent être trois phares aussi vis-à-vis de ce qu'on peut proposer avec des temporalités très très différentes quoi. Voilà. Mmh. Ouais, donc pas mal de projets pour MAP, rester connecté pour suivre un petit peu comment tout ça va se matérialiser, mais bon, vous l'aurez un peu compris, on va prolonger pas mal de choses à partir de la rentrée. On vous dira après pour nous quand est-ce qu'on l'a fait, notre entre guillemets notre vraie rentrée, c'est-à-dire quand est-ce que l'ensemble de ces formats sont susceptibles de reprendre, sous réserve, là il y a un petit astérisque à la fin de la phrase. Voilà. Oui, de mon côté, je peux dire que voilà, Tempo et Cosmos vont continuer avec une régularité qui sera à peu près mensuel, avec l'idée d'arriver sur des choses qui seront assez travaillées, assez construites, assez fouillées en amont, et un peu d'écriture aussi d'une partie de ces lives-là, pour qu'ensuite on puisse les récupérer plus facilement pour en faire du montage, du podcast, etc. Et puis moi, cette année scolaire, comme quoi on est... Là aussi, on est toutes et tous marqués et inscrits dans des temps. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une année ? Ça, c'est une question que j'aime bien poser régulièrement au début du mois de janvier. Cette année, moi, je l'ai dit, je suis en train de me replonger complètement dans un projet de reprise d'études. J'ai envie de vous le raconter à la fois sur le fond et sur la forme. Parce que si je vous ai parlé de mon parcours ce matin, c'est aussi parce que ce parcours-là aujourd'hui il m'interroge beaucoup. J'ai parlé de recul, de réflexivité et de tension, entre grosses guillemets. Tension, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il peut y avoir entre les idéaux municipalistes et l'agir local tel qu'il se pratique aujourd'hui. Philippe en a un peu parlé aussi plus sous l'angle associatif. C'est des problématiques qui sont souvent communes, sans jeu de mots. J'ai besoin aussi, je le dis comme ça de façon très directe et très honnête avec vous, en tout cas ça se veut honnête avec vous, j'ai besoin de décrypter tout ça et j'ai la prétention, ouais je vais le dire comme ça aussi, que je suis pas le seul que ça intéresse ces questions-là et que je peux partager ces choses-là avec vous. Ce sera un format qui s'appellera peut-être commun et qui parlera d'agir local,
entre les idéaux de l'agir local et les pratiques actuelles de l'agir local, telles que je les connais, telles que je crois les connaître, telles que je vais les déconstruire au fur et à mesure de ce parcours-là, et telles que j'espère découvrir de nouvelles choses, quoi. Hein, une des choses importantes, mais ça vaut pour MAP comme pour ce genre de travaux-là, c'est de pas partir avec des prénotions. Ça, c'est une prénotion étant un concept en sociologie qui est assez important, hein, très durkheimien. Pas partir avec des prénotions en pensant que ce sont des notions. Voilà. Et ça renvoie aussi à la question de non, je ne serai pas effectivement, y compris ce jeune gauchiste de 20 ans qui vient expliquer la vie à une vieille ouvrière de 50 ans pour reprendre un peu l'image de. De Philippe, quoi. Hein, toute chose pouvant ressembler à des choses ayant déjà existé ou existant encore est absolument fortuite, quoi. Voilà. J'assume mes jeux de mots. Ouais. Oui, je peux les assumer. Je peux les assumer dans une certaine mesure. Voilà. Voilà. Pas faire les choses tout seul et faire les choses ensemble. Je vous lis un peu dans le chat, quoi. Voilà. Et salut, chouette mama. Donc voilà un peu pour dire un petit peu de quoi mes contributions à MAP seront faites en partie, parce que je ferai des apparitions de temps à autre aussi sur le format MAG qui devrait se poursuivre lui aussi. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Andrea, tu veux faire pop ? Ah, faut que tu rallumes ton micro, Philippe. Là, on... Ouais, ça y est. Oui, pourquoi pas. Ma Pop a passé une année, on a parlé de saison 1 de Pop, parce que Pop, tout ça, bon, voilà, saison 1. Elle a été clôturée par des lives un peu différents de ce qu'on avait proposé au départ. Où on était plus en mode autour de la table et beaucoup plus comment dire décontracté, on va dire, au niveau du format, voilà, si pour être assez clair. Bien qu'il y ait eu des visuels à l'écran et bien qu'il y ait eu des projections de vidéos, de mangas, comme on fait souvent, on a été un peu plus foutraque, mais c'était vachement bien parce qu'on avait besoin de ça aussi, on avait besoin de discuter d'un thème. Comme ça, ça se faisait aussi parce que on était parfois aussi pris par nos vies et que il y a eu des moments de Pop où d'ailleurs on a eu des hiatus parce que ben voilà, il y a eu on a été rattrapé donc par pas envie de parler de ça maintenant, tout simplement après la mort de Naël, je me rappelle, c'était on n'avait pas trop la tête à ça. On a été un peu différents sur les deux derniers lives que j'ai néanmoins moi adoré. J'ai adoré parce qu'on avait passé beaucoup d'heures de discussion avec les autour de justement les sujets thématiques qu'on voulait aborder. Le premier, c'était le vent, et après on a travaillé en deux actes, le travail et les luttes dans les cultures populaires. Bien sûr, c'était non exhaustif, comme d'habitude, hein. On n'a jamais un devoir d'exhaustivité. Voilà. Et on s'est régalé à vous proposer des choses autour de ces deux thèmes. Et on a aussi travaillé là récemment un nouveau format, donc une saison 2, qui va consister à justement être un petit peu sur encore la modalité d'échange avec le chat et entre nous autour de la table, hein, si je puis dire. On va d'abord commencer sur Pop, donc à partir de. Alors, en mensuel déjà, ça sera du mensuel. De façon à ce que les gens aient plus le temps de s'inscrire là-dedans, de préparer quelque chose. Et puis, bon, tout simplement, on avait déjà une modalité souple de 15 jours qui s'était distendue cet été, vous l'avez vu. Mais là, on va entériner le fait que un par mois, c'est largement suffisant pour préparer si on veut faire quelque chose d'un peu sympa. Donc, une mensuelle, toujours normalement, à déterminer toutefois, mais normalement le mardi soir. Ça reste le soir, c'est un format du soir, ça, voilà. Et sur Pop, on a décidé donc, avec ce format mensuel du soir, de d'abord partager un petit peu tout ce qu'on aurait eu comme coup de cœur, plus faire de la place plus aux nouveautés, et surtout à ce que culturellement
découvert, apprécié, envie de partager, de aussi d'interroger, tout simplement. On peut même donc ça serait plutôt une première heure de pop sur ces échanges-là autour de nos découvertes culturelles, nos partages, nos coups de cœur, peut-être pourquoi pas des coups de nerfs aussi, et puis des autour de ce qui se passe quoi dans la vie de la culture pop quoi, tout simplement être un peu plus raccroché à ce qui nous entoure en fait, voilà. Donc ça serait une première partie d'émission. Et en seconde partie d'émission, on aimerait bien proposer des chroniques, des focus, une quinzaine de minutes, plusieurs, hein, pas trop non plus au départ, parce que voilà, on ne sait pas trop comment, au niveau de la charge de travail, ça va se dérouler pour chacun d'entre nous, parce qu'on a, voilà, on a tous des enjeux aussi à l'extérieur. Et faire des chroniques, donc, sur... alors, on ne s'interdit pas d'être thématique. Si par exemple, ça se peut qu'on fasse des thèmes, tu sais, là on parle de tel thème, on a tous envie de parler de ce thème, donc on fait des propositions autour d'un thème, ce n'est pas interdit, mais on peut varier, et c'est plus la vibe en fait, ça serait plus de varier, de proposer des choses un peu, chacun puisse inscrire dans une proposition de son choix en fait. Voilà, et que ça puisse être plus souple à ce niveau-là, et que du coup, le temps long, se dire, par exemple, voilà, moi j'ai envie de proposer ça, je ne peux pas le faire avant 2 mois, 3 mois, voilà, je travaille sur ça, j'aurai une chronique sur ça, donc ça va couper de table ronde tout ça, de discussions avec vous, entre nous, où on rebondit un peu sur ce qu'on a vu, sur la proposition du ou de la camarade, et parce qu'on a toujours... autour d'une proposition, des choses à dire, et puis peut-être des compléments à apporter. Ça peut nous faire réagir, nous faire penser à d'autres objets culturels, justement, de la culture pop, qui sont en lien ou qui sont complètement différents, qui marquent une rupture. Enfin, voilà, on va discuter de tout ça entre nous, pas tous les mardis soirs, une fois par mois au moins. Voilà. Pour pop. Et puis Philippe, toi, tu avais un projet aussi un petit peu aussi à nous livrer, je crois, par rapport à pop. Ouais, moi je voudrais faire un truc qui soit un appui de pop en fait, et un prolongement de pop. Moi, il y a essayer de tenter l'aventure de l'hebdo, et tenter aussi de notre côté d'ouvrir une plage horaire qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais trop expérimenté, même jamais du tout expérimenté, qui est la 16-20 heures, alors ce sera pas 4 heures, hein, mais 18-20 ou 17-19, je sais pas encore. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que j'ai envie de tenter ce truc-là, d'abord parce que ça nous permettrait d'être présents à un autre moment dans la semaine, et que du coup ce soit un moment où je renverrai vers les différents formats de la chaîne, quoi. Là, ça serait une logique hebdo très inspirée de ce que fait notre ami Lex, quoi. Donc rejoignez, je lui fais le petit truc là, rejoignez Lex Tutor sur attends, merde, ça marche pas. Il faut écrire en entier shootout pour faire le shootout. Je sais même pas. Bon, bref. Ah si, ouais, ça a marché. Ok, donc n'hésitez pas. Ouais, la culture à l'heure du goûter, avant le repas, en rentrant du taf et tout, etc. quoi. Donc, avant le... Et donc, du coup, ça serait plutôt pour des gens qui viendraient y butiner et auraient pas forcément, parce qu'après, il y a les bains, bon, pour ceux qui ont des enfants, il y a les devoirs pour les plus jeunes, j'en sais rien, quoi. Mais du coup, ça serait quelque chose avec des chroniques très très courtes, quoi. 5, 10 minutes maximum, quoi, avec plein de chroniques en rapport avec la culture pop. Et je voudrais, du coup, amener, en fait, ce serait surtout ça qui m'intéresserait beaucoup, quoi. C'est d'amener des gens à rejoindre, par exemple, la
la team de pop, pourquoi pas, quoi, et de leur proposer, du coup, des choses qui soient préenregistrées en 3 minutes. Là, je vois, j'ai un super bon copain, Thomas, qui travaille sur les comics et qui est un grand spécialiste, un très chouette spécialiste de Batman. Je sais que je l'avais déjà demandé pour pop, mais que c'était compliqué pour lui de s'engager comme ça. Bah, ça me dirait bien qu'il fasse des petites chroniques de 3 minutes sur tel ou tel, sur l'âge d'or ou l'âge d'argent de Batman, quoi. Ou me rapprocher peut-être de fictions sociaux, leur proposer de faire une petite rubrique pour présenter leurs articles. Je voudrais que ce soit un espace aussi culture pop recherche dans lequel on puisse présenter des articles qui sont déjà là. Donc du coup, c'est un format qui est très très proche du nouveau pop, du coup. Et donc il faudra faire attention et il faudra que les choses se mettent en place pour qu'ils soient bien complémentaires et qu'ils ne se marchent pas l'un sur l'autre, quoi. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une heure qui est différente, où ça sera des chroniques qui seront très courtes et où ça sera un hebdo, je pense que de fait les distinctions vont se faire. D'autant qu'il y a quand même quelque chose, c'est que moi je ne vais pas faire naître une équipe à l'intérieur de cet hebdo, quoi. Alors que Pop reste quand même très marqué par la présence d'un collectif qui travaille en amont. Je pense que ça fera toute la différence, mais on verra. Et ça me permet de conclure aussi sur un truc, c'est que autant je déteste la novlangue administrative, autant il y a un mot qui me plaît beaucoup du côté, moi qui ai fait de l'anthropologie de la culture et qui ai beaucoup travaillé sur les tissus, c'est le concept de canevas. D'ailleurs, l'étymologie de texte, c'est tissu, quoi. Ça vient, c'est cette idée de canevas, moi, m'intéresse beaucoup. Je travaille avec une association qui s'appelle le Bal de Bellevue, dont j'ai très souvent parlé dans le cadre de la... ouais, on pourrait lui demander à Denis. Dans le cadre de nos mags, je vous avais déjà présenté l'objet de cette association, et je sais que le Bal de Bellevue, qui fait de la collecte de danse auprès des gens, et je sais qu'ils ont beaucoup de vidéos de ces collectes-là où les gens expliquent dans quel contexte se situe, contexte de deuil, contexte de mariage, etc., dans lequel se situe telle danse vendéenne, sénégalaise, malienne, etc. Et donc du coup, j'aimerais bien travailler en, justement, créer du partenariat. Hop, balancer le logo de l'association, et que Zofia, qui est une ethnologue de la... une ethnomusicologue, elle vienne vous présenter telle ou telle collecte qu'elle a pu faire de telle danse à Bellevue, à Nantes, quoi. Et donc du coup, voilà, ça serait intéressant d'aller... donc le format du lundi est plutôt partenarial. Ça serait d'engager aussi MAP dans un contexte plutôt partenarial, quoi, et de travailler en fait avec... différents. Alors ça serait très orienté pop culture et sciences humaines, je pense. Voilà, mais ça serait un format d'appui, quoi, et puis c'était histoire d'avoir une hebdo aussi dans la chaîne qui soit autre que Mag, qui de toute façon, même si finira quand même par retomber sur les pattes du dossier, quoi. Donc du coup c'était un test que je voulais faire du côté des chroniques très courtes et du côté d'ouvrir des partenariats en vue d'IRL éventuel et en vue d'intégration de certains, en fait, qui auraient pris des réflexes sur l'hebdo de venir du côté de Pop, quoi. Donc on verra, c'est un format qui est appelé à se mettre en place puis à s'amender au fur et à mesure de l'évolution de Pop pour que les deux puissent prendre toute leur place et pour que, quitte à ce que on avait fait ça pendant un moment, on avait fait des Pop Plus, on avait fait des déclinaisons de Pop, on avait fait un micro ouvert un moment, à un autre moment, quand on avait travaillé sur le voyage, j'avais creusé le truc dans un Pop Plus, donc ça peut être une espèce de Pop Plus, le mag du soir, quoi. la gannerie, je l'inviterai pas, Shizaru, je te le dis tout de suite, quoi. Le pop club, la gannerie. Donc, non. Mais bon, donc voilà sur ces... donc du coup, ça ferait... parce que j'ai pas forcément tout eu. Au niveau de la grille, on resterait sur le dimanche matin mag. Vous me corrigez, hein, si je me trompe. Il y aurait un mardi soir, une fois par mois, le pop. Le lundi, entre 16h et 20h, donc soit 17-19, soit 18-20, peut-être plutôt 18-20, cet hebdo pop plus, quoi.
Et le mercredi en alternance, les Cosmos Pop Tempo. Les Max seront collectifs à nous trois. Pardon, le Pop sera collectif. Le Mag restera nous tous les trois. Donc des fois deux, des fois un, des fois trois. Et on va essayer d'engager aussi, puisqu'on a bien commencé à travailler dans ce sens-là. Je peux au moins vous teaser qu'on va travailler sur la question du... on a commencé à travailler sur Grébeur à partir de toute la phase d'être de la réflexion de Grébeur. Il y a aussi toute la phase de Grébeur de David Grébeur qui est mort l'année dernière, je crois, et qui a toute une réflexion autour d'une anthropologie du travail. C'est vrai, ça remonte déjà, putain. Autour d'une anthropologie du travail et notamment de son travail sur les bullshit jobs. Je voudrais inviter un copain à moi qui a travaillé sur le personnel au sol des aéroports au début des années 2000 et avoir son ressenti de sociologue sur l'évolution. Donc lui, il a travaillé sur une période pré-ubérisation du travail, donc c'était assez intéressant d'aller travailler sur ça. Donc du coup, ça c'était pour teaser un petit peu, quoi. Et ben 16h30, 17h30, 19h30, Zippo. C'est bien 17h30, 19h30. Et donc on verra dans quel sens ça ira, et on verra comment on va pouvoir creuser nos propositions en termes de guests, en sachant que nous tous les trois il faut qu'on level up du point de vue de l'interview, etc. Vous avez vu qu'on a essayé de mettre en place quelque chose, moi, qui m'a plu pas mal, une espèce d'organisation du travail. Je me rappelle quand je faisais beaucoup de rando avec les copains, il y avait le premier qui regardait le chemin, le deuxième qui donnait le tempo, le troisième... Bon, cette espèce de répartition de rôle comme ça, un peu sauvage, dans la praxis, quoi, qui pourrait se créer aussi nous entre nous. Donc ça, il faut qu'on le travaille pour vous, et parce qu'on sait très bien que tout ça c'est un métier et que c'est un métier qu'on n'a pas. Et donc du coup, on va essayer de level up à ce niveau-là pour trouver des chouettes formules qui soient soit de donner la parole à quelqu'un parce qu'il est concerné par son travail ou par autre chose, par le sujet, soit de, et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien. C'est de préparer des mags avec d'autres personnes. Voilà, de temps en temps, quoi, faire ce type de démarche guest qui soit pas seulement dans l'interview de quelqu'un qui a des choses à raconter, qu'on le fasse ça de temps en temps, mais qu'on construise aussi quelque chose avec quelqu'un. Bon, bref, je sais pas si on peut garder l'ADN du mag sur les formats en guest, quoi. Des bisous, IMD, à très bientôt. Tout ça va commencer, bah attends, avant que moi mon format hebdo, ça sera pas avant, j'ai beaucoup de travail d'ici le 4 septembre, quoi, donc il sera après le autour de mi-septembre. Andrea, tu nous diras, mais Pop, ça va commencer aussi autour de mi-septembre. Il y aura peut-être une proposition qu'on pourra faire du côté d'un mag ou autre, pourquoi pas, entre aujourd'hui le 20 et début septembre, quoi. Mais bon, la vraie rentrée de nos différents formats, ça sera début septembre, hein. Voilà ce que j'avais à dire, vas-y. Non, je confirme, pour les créneaux, ouais, on va laisser la rentrée scolaire se passer tant bien que mal pour tout le monde. Et puis après, effectivement, on démarrera pour de bon nos différents formats. Le temps de prendre notre élan aussi et de commencer à vous préparer des contenus, ce qu'on a, pour certains d'entre nous, en tout cas, commencé à faire. Enfin, oui, si, on a tous commencé à vous préparer des choses, on a commencé à prendre notre élan, c'est en cours. Et donc si on est en mesure de vous parler de tout ça ce matin, c'est aussi parce qu'on a un peu bossé cet été, tout ça, réfléchi, échangé entre nous, donc on sera bien sur toutes ces choses là donc ça va être déjà assez ambitieux. On a pas mal de projets, mais justement entre la coupe et les lèvres, comment la main sera en capacité de fonctionner correctement, ben ça seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Mais sachez en tout cas qu'il y a la volonté d'aller vers toutes ces directions là et on avait envie de vous en parler un petit peu ce matin en mode pré-annonce, parce que ça nous intéresse aussi d'avoir vos retours, ce que vous en pensez. Et quelles remarques, quelles idées vous auriez, quoi. Voilà. Moi, j'ai une annonce à faire aussi après. Yes!
qu'on a un Discord. Je vous remets l'adresse du Discord là dans le truc et tout, hein, vos retours, vos propositions, si vous voulez être au courant des annonces. Et notamment, quelque chose qu'on va essayer de mettre en place aussi cette année, c'est la valorisation de ce qu'on fait, en fait, tout bêtement. C'est-à-dire le fait de proposer sur d'autres plateformes aussi. Alors, on a bien bossé sur Twitter pour vous proposer des fils tweets de nos différents lives. Donc ça serait bien aussi, on est présent sur YouTube, hein, donc nos vidéos, on sait bien que ces vidéos là que YouTube c'est pas du tout un format, c'est du 25 minutes ou du 35 minutes. YouTube c'est pas un format où vous allez cliquer sur une émission qui dure 4 heures quoi, donc ça on le sait bien. On garde quand même YouTube parce que ça permet de garder en mémoire un petit peu notre travail, mais on réfléchit aussi à d'autres formes de valorisation. Antoine, t'avais commencé à mettre en place un site internet, on va voir. Moi j'ai une très très vieille lubie d'aller proposer une encyclopédie des tropes et d'aller faire un vrai TV trope, mais qui soit vraiment pertinent du point de vue des sciences sociales quoi. Donc c'est quand même quelque chose que j'ai toujours un peu dans un coin de la tête, et c'est vrai que sur le format un peu fiction socio, ça m'intéresserait bien. Donc du coup, aller sur d'autres réseaux sociaux, aller sur un site internet et rester sur YouTube et continuer à travailler sur de la valorisation de nos contenus. Voilà pour moi. Donc on passe à l'annonce d'Andrea. Andrea, à toi. Ouais, vu qu'il n'y a pas de plan, là, j'en profite que vous ayez tous parlé de vos formats à venir. Et sur Pop, bon, moi, c'est un format que je vais prendre en charge de temps en temps. Enfin, souvent, voilà, j'y serai tous les mois. Mais surtout, ce qui me tient à cœur, là, de vous dire, c'est qu'on a prévu une autre émission mensuelle avec Mehdi. Et qu'on a très envie de commencer dès le mois septembre, si on peut. Genre là, on commence en septembre, parce que c'est compliqué un peu parfois de mettre en place avec nos vies IRL. Mais on travaille sur un format mensuel qui va partir à la découverte de penseurs et artistes ayant vécu ou vivant dans le sud global, quoi. Donc ça va s'appeler, on ne sait pas trop encore, il faut qu'on se mette d'accord, mais ça parle des suds, c'est des suds. Et on va voir, on ne s'interdit pas d'ailleurs aussi de pas, ayant vécu ou vivant dans des pays du Nord, mais qui ont été minorisés, voire silenciés, dans leur voix et dans leur vie. Et en gros, ce format, il propose de faire raconter l'histoire de ceux et celles qui ont des parcours et des apports culturels, ou qui ont proposé des œuvres qui ne se trouvent pas dans nos livres d'histoire, pas tellement dans nos médias non plus, ni même dans nos schèmes de pensée, ou si peu. Donc ça sera politique, bien sûr, hein, c'est décolonial à fond. Bien sûr, il y aura de la culture, parce que on parle assez peu de litté, de poésie, de peinture, d'architecture, de photos, de philosophie, d'histoire et de politique des Suds, justement. Et par des Suds, j'entends vraiment tous les Suds. On va parler vraiment de ce qui nous tient à cœur avec Mehdi, parce qu'on se rend compte que même au niveau de cette partie d'une discussion, on disait mais la philosophie arabe par exemple, on n'en parle jamais, ou la philosophie africaine non plus. Voilà, c'est on est parti de fil en aiguille sur le désir réel de parler voilà, autrement qu'en européano-centré. Et de faire entendre des voix, surtout. Voilà, nous, on est concernés par des points qu'on va développer, mais quand on ne le sera pas, on se propose justement de faire parler des concernés. Et de relayer des voix qu'on entend peu, ou trop peu, en fait, et, y compris sur nos réseaux de gauche. Et donc, voilà le projet. Et j'espère, Inch'Allah, vous le présenter rapido avec Mehdi, mais je ne vous garantis pas qu'on va commencer avant mi-septembre, on verra. Je vous dis, attendez-vous à ce format mensuel. Alors, quand ? Ben plutôt les vendredis soirs. Voilà, ça c'est, nous on prend un créneau du soir. Et de préférence, effectivement, le vendredi, au moins une fois par mois, on pense. Voilà, pour ça. Et j'ai vu Yass, le podcast de Mehdi aussi, bien vu, ouais, vous pouvez aller le suivre. Parce que Mehdi, pour parler de pop aussi souvent. Et donc, il a un podcast à lui. Et d'ailleurs, Yass, tiens, moi, peut-être aussi, je vais intervenir dessus.
Il a un super podcast qui parle de manga. Donc, suivez-le, suivez Mehdi. Il a une chaîne également, voilà, sur YouTube. Yas, voilà. Philippe vous a donné, parce qu'il trop, il va pas vous en parler, mais il a un super blog, Yacine, qui parle vraiment de manga, mais de cinéma, de culture pop en général, avec des super articles où vous pourrez vraiment vous régaler sur des œuvres en plus que vous n'avez pas forcément l'habitude, dont vous n'avez pas l'habitude de voir parler sur partout, en fait. Ou quand c'est le cas, on va parler au hasard, alias, de Bleach. Il y a un angle qui n'a pas été vu. Enfin, il est vraiment chapeau à toi par rapport à ça. Donc, pour développer ouais, des angles d'analyse qui sont à toi. Et, ou alors des mangas qui n'ont pas été forcément beaucoup abordés, ainsi que des films. Ou dans ces films, même s'ils ont été abordés et surabordés, quelque chose qui est toujours un peu original, du genre le voyage entre la littérature et le cinéma dans Dracula de Coppola, dont on avait fait d'ailleurs un pop, tu te rappelles Philippe ? Et toi d'ailleurs, ce soir-là, tu n'avais pas pu finir et tu avais eu un pop plus par la suite qui était magnifique aussi avec du Conrad et du Apocalypse Now. C'était vraiment ce pop sur le voyage, moi, il est resté dans les annales, quoi. Et le pop voyage et le pop plus de Philippe derrière, c'était exactement qu'il fallait pour nous motiver à continuer ce genre de choses, quoi. Même si après sur les formats, bon ben on vous propose peut-être quelque chose de différent, plus abordable peut-être aussi en termes de... On sait qu'on est long sur pop, sur plein de formats. On est assez long, on est des streamers de fond, comme on dit. On aime bien faire des streams de 3, voire 4 heures. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudra qu'on y revienne, mais faire des marathons, ça serait marrant. Des vrais marathons. Ça, c'est, Philippe, t'en avais parlé. Je pense qu'on en reparlera peut-être des idées de spécial marathon comme ça. Mais sur les pop, en tout cas, et je pense avec Sud, on essaiera d'avoir des formats un peu différents, un peu plus péchus. Même si on ne s'interdit pas du tout de faire des trucs au long cours et justement sur Twitch. Et ça, on attend de vous que vous discutiez avec nous. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une question, en fait. Je trouve qu'elle est importante. Quand on fait des Macs très longs comme ça, ou des tempos, ou des pop, ou des Cosmos. Bon, Cosmos, c'est... toi, tu arrives à gérer en 2 heures, il me semble, Antoine, le format Cosmos. C'est rarement très long. C'est ça. Très concentré. Nous sur Mac, on peut, voilà, c'est un Mac qui peut durer 4 heures, mais vous nous connaissez à force. Alors on se demande les replays, est-ce que c'est possible de nous écouter 4 heures comme ça, voilà, pop c'est pareil. Est-ce que c'est ça qu'on a réfléchi beaucoup, parce que on sait bien que streamer sur Twitch, ça peut, ouais, il y a beaucoup de gens qui streament des heures de temps, quoi. C'est un peu le truc, quoi, hein, streamer, échanger avec le chat. Mais comme on est un peu hybride dans nos propositions, on a du visuel, on a du docu, on a plein de trucs en fait à vous faire voir. C'est pas à la fois c'est ni un podcast, ni un objet audiovisuel pur, et du stream avec échange avec le chat et échange. Donc la longueur, est-ce que ça, parfois, on se pose des questions beaucoup, hein, Je veux pas mettre les camarades mal à l'aise, mais... Non, mais t'as raison. D'autant qu'en plus, il faudrait qu'on... Il y a Shizao, tu dis, tu les... Moi aussi, hein, moi, j'ai pas peur des vidéos YouTube très très longues, parce que, en fait, je les regarde en plusieurs fois, quoi. Maintenant, voilà, les replays, ils sont très très peu regardés, quoi. Je pense qu'il faut qu'on continue à mettre les replays, mais que ça ne nous empêche pas de penser à d'autres formes de valorisation, quoi. Notamment, c'est quelque chose auquel on a déjà un petit peu pensé,
sur la possibilité de prévoir en amont de la préparation, c'est du boulot ça, hein, des phases du stream qui serait voué à un enregistrement. C'est ce que tu faisais, je ne sais pas si Vulga il est toujours là, c'est ce que faisait Vulga Droit, très bien d'ailleurs, il le faisait très très bien. C'est ce que fait Lex Tutor aussi, si vous suivez les streams de Lex Tutor, le vendredi, Lex il discute avec son chat pendant une bonne demi-heure, quoi, et après il dit allez hop, on est parti. Et là il fait son truc d'une heure et demie, qui est préenregistré, etc. quoi. Vulga il faisait ça quand il faisait des études de cas, donc du coup sur ses streams du matin, il discutait avec nous, il nous faisait choisir le cas juridique qu'il voulait qu'on développe, puis et il parlait pendant 5-10 minutes grand maximum d'un cas à expliquer, il lançait l'enregistrement, il arrêtait l'enregistrement. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait faire? Faut savoir que c'est du travail parce que ça nous impliquerait d'écrire des choses, etc. quoi. Donc en amont, ce type de travail-là, c'est du coup ce qu'on fera pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter 3 podcasts et de lire 5 articles, on n'en écoutera que 2 et on n'aura lu que 2 articles parce qu'on aura été obligé de passer du temps à préparer ce passage-là. Est-ce que c'est quelque chose où on peut tourner, par exemple, sur ça? Genre, Andrea, par exemple, ce week-end, c'est toi qui fais le truc préenregistré, etc. Bon, voilà, ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que on travaillerait pas à la valorisation en amont de nos contenus? Est-ce qu'on travaillerait pas sur la valorisation en aval de nos contenus par un travail préalable en amont? Ce qui est une vraie question, quoi. Donc voilà, moi je suis assez favorable à ça. Maintenant, encore une fois, nos temps sont pas extensibles, quoi. Et donc il faudra qu'on choisisse. Mais la question de la valorisation, elle se pose quand même, quoi. C'est pour ça qu'à titre personnel, je suis assez convaincu qu'il vaut mieux qu'on parte sur... parce qu'on a des formats assez divers. On va écouter encore plus d'autres voix que les trois nôtres. Ça, en tout cas, j'espère que ce sera. Enfin, j'en suis ravi déjà pour Sud et qu'on entende aussi avec Andrea Mehdi pour ce nouveau format. Et je pense qu'il vaut mieux effectivement qu'on ait des formats construits et fouillés. Et qui soit régulier, c'est-à-dire que vous, là, qui nous écoutez en direct ou qui nous écoutez en replay, vous sachiez à peu près à quel moment vous pouvez nous retrouver. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille qu'on soit connecté tout le temps. Et il vaut mieux qu'on privilégie, à mon avis, puis ça, on en a déjà parlé entre nous en plus, mais c'est bien qu'on le partage aussi avec tout le monde, qu'on privilégie une certaine rareté dans les occurrences de nos formats, mais une préparation qui soit fouillée et qui nous permette notamment ce travail d'écriture en amont, qui nous fera gagner en plus du temps ensuite sur le montage, le reformatage, pour proposer des formats plus ou moins longs, sur différents supports, parce que justement, ce sera bien plus, j'allais dire, gratifiant. Ouais, peut-être qu'on peut employer ce mot-là. Mais ça sera une meilleure valorisation aussi que de pouvoir réutiliser tout ce qui est produit pour ces lives et qui n'aille pas se perdre derrière dans les sables, mais qui soit d'autant plus facile à partager par la suite, quoi. Donc moi, je rejoins assez cette démarche-là. Et la condition, c'est que pour faire vivre la chaîne, du coup, on soit suffisamment nombreux et nombreux, pas seulement à l'animation, mais y compris aussi à la technique. Et qu'on puisse du coup avoir le nombre pour mener tous ces projets à bien, quoi. C'est intéressant. Moi, je sais que sur Sud, on va en parler avec Mehdi, mais on va mettre des sources, hein. On va mettre un max de sources. Donc ceux qui matent en audio, qui nous écoutent en replay audio, il faut qu'ils puissent à un moment donné trouver, cliquer et aller sur ce qu'on a proposé pour aller plus loin. Moi, j'aime bien la... J'ai un exemple en tête à vous livrer. Un camarade que vous connaissez tous, c'est Karim, Politicon. Lui, quand il fait une vidéo, il source. Enfin, tous nos camarades, tous ceux dont on a parlé, on a apprécié vraiment le travail et les échanges et ce qui est toutes les ressources qu'ils nous ont apportées dans l'année. Moi, j'ai beaucoup mobilisé de gens que je connaissais de Twitter, hein, par exemple,
des justement Politicon, moi c'est là que je l'ai vu, hein, son travail, Grégoire Simpson dont je vous parlais tout à l'heure, enfin plein de gens comme ça, Cinépol, Vidéodrome, tout le monde, tous ces gens dont j'apprécie le travail, ils font ça, ils vont sur YouTube. Après il y a un max de sources quoi. Parce que le but est aussi, justement, là, la démarche d'émancipation, j'y reviens, elle est là, quoi. C'est-à-dire, vous cliquez si vous voulez, si vous avez envie d'aller plus loin, quand vous avez le temps, quand vous voulez, quoi. Et puis surtout, vous avez la source aussi, parce que là, quand même, et que dans cette démarche, dans notre charte, dans notre manifeste, en fait, on s'engageait quand même à dire déjà de nous, d'où on parle, d'où on se situe, et puis après, d'où on tire les choses, quoi, tout simplement. Hein. Après, c'est une démarche aussi de sourcer un maximum. Et donc, effectivement, sur la valorisation post-live, quoi, grosso modo, notamment sur soit un format podcast, soit YouTube, ou une autre solution, nous verrons, on a l'intention de enfin, le mieux, moi je parle pour Sud, mais ça serait de donner des sources, tout simplement, et des possibilités d'aller plus loin. Voilà. Donc, après, il y a un truc aussi sur YouTube quand même, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, donc ça je le dis, c'est le chapitrage, quoi. Donc là, les pop, ils sont chapitrés, et j'espère que cette année, on arrivera à se relayer dans ce travail-là, pour qu'on puisse continuer à chapitrer des vidéos YouTube, ce qui est quand même chouette. Je sais pas s'il y a des sites de podcasts qui permettent le chapitrage, quoi. Mais c'est vrai que la case de description de YouTube est suffisamment grande pour qu'on puisse y mettre des sources et qu'on puisse chapitrer et donc du coup réécrire l'intégralité des titres sur ce truc-là. Bon, ça vous savez pas parce que c'est notre cuisine interne, mais depuis quelques mois on travaille avec des conducteurs et donc du coup nous on travaille avec on a un drive de travail, quoi. Et donc du coup vous donnez accès à ce travail qu'on fait de toute façon pour le conducteur, ça pourrait être intéressant. Et là, à ce niveau-là, le meilleur format, ça reste YouTube, quoi. Je sais pas s'il y a des sites de podcast qui proposent un chapitrage. Donc, dans tous les cas, restez sur YouTube, ça c'est clair. Chapitrez et sourcez chacune de nos vidéos, renvoyez un certain nombre d'informations, tout ça, etc. Le live tweet qu'on va garder quand même, parce qu'il est intéressant, le live tweet, parce que mine de rien, Andrea, quand tu fais les live tweets, tu donnes accès à des sources, et on peut très bien mettre le live tweet en lien sur YouTube, par exemple. Hein. Mmh. Ça c'est possible, quoi. Donc je pense qu'on va rester sur Twitter, YouTube, qui sont des réseaux qu'on connaît bien au début. Tu fais bien en parler, parce que justement sur Twitter, on sait ce qui se passe. Il y a de plus en plus de gens qui ont déjà dégagé sur Mastodon, qui passent hein, quand même sur Twitter parce que c'est addictif. Et puis c'est pour l'instant, ce ne sont pas des serveurs, c'est pas déconcentré, quoi. C'est centralisé, Twitter. Donc c'était le plus simple. En revanche, je sais qu'il va se passer des choses. Dans l'année à venir, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Même si on garde un pied sur Twitter, évidemment, il y aura peut-être d'autres solutions à envisager, d'autres réseaux, il faudra qu'on s'y mette. Et du coup, c'est vrai que les sources, c'est aussi bien qu'elles soient centralisées directement. Même si c'est les live tweets, moi j'aimais bien, en plus c'est sympa, mais du coup il faut quand même une centralisation des sources autre part. Et tu avais une idée géniale aussi qui était celle de la notice, parce que c'est beaucoup de taf, et ça je pense que c'est trop ambitieux, mais n'empêche que voilà, c'est à creuser aussi ça. De toute façon on n'est pas arrivé, comme on dit, hein. On est en train de se... Mais c'est vrai que la notice, ça serait passionnant, mais ça serait... honnêtement, moi, je pour l'instant... parce que j'en ai quelques-unes en bouillon, hein, mais la notice, c'est pas facile. Si on se lance vraiment là sur un site internet, on pourrait tenter, quoi. Si jamais on arrive à trouver quelqu'un qui veuille bien travailler avec nous, qu'on puisse payer, parce que pour l'instant, il y a un moment... cette question, de toute façon, sur ces trucs-là, elle se pose, c'est-à-dire qu'on s'auto-exploite, nous, déjà, beaucoup, donc on va pas, en plus, exploiter des gens, quoi. Donc, maintenant,
merci hein, pour vos trucs. Mastodon, moi je connais pas quoi, mais je vois bien. Je sais pas, je connais pas. Moi je pensais au tout début, ça c'est sûr, c'est aller isoler des parties, les mettre sur Twitter, Instagram, en mode. Voire même TikTok en fait, en petite partie qui renverrait sur le truc mère qui resterait YouTube quoi. Pourquoi pas que vous alliez de plus en plus sur le Discord et on pourrait mettre ça, on pourrait très bien le faire. C'est-à-dire, non, une notice, ça serait par exemple, tu vois, je sais pas, on a fait 4 lives. Je vais essayer de vous en donner. Bon, je vais pas, c'est France Culture qui faisait ça, ils ont arrêté de le faire, c'était bien d'ailleurs, quoi. Ouais, il me semblait bien que c'était ça, Shizao. C'est France Culture qui faisait ça pendant un moment. C'est une notice, c'est un article dans lequel une notion, par exemple, qu'on aurait croisée dans 4 streams différents, je sais pas, la départementalisation, par exemple, ou Mayotte, ou la ville, par exemple, la ville, quoi, et ben écrire un truc qui ressemblerait à un article et qui renverrait au cours de sa rédaction, quoi, de la lecture, aux différents liens des streams qu'on aurait fait autour de la ville et qui, du coup, proposerait une espèce de fil de voyage, en fait, entre ces différents streams, quoi. Donc, ça serait ça, une notice. Maintenant, ça c'est... Culture, ouais. Et France Culture l'avait fait pendant un moment, ils avaient pris quelqu'un qui faisait ça, et qui faisait ça plutôt très très bien, quoi. C'est-à-dire, moi j'étais tombé dessus quand je travaillais sur la Battle Royale, et du coup, il y avait un article, ils avaient fait trois émissions autour de Squid Game et de la Battle Royale. Il y avait une journaliste ou une stagiaire, j'en sais rien, qui s'était pris la tête sur les origines de la Battle Royale du côté de la boxe anglaise, les origines racistes de la Battle Royale, et elle avait fait un article dans lequel elle racontait un certain nombre de choses et elle renvoyait aux différentes émissions de France Culture qui étaient autour de Squid Game et de la Battle Royale. Voilà, ça c'est quelque chose qui serait génial à faire, quoi. Maintenant, ouais, ça serait une espèce d'article interactif, quoi. Maintenant, c'est énormément de travail, quoi. Ça veut dire, ça c'est beaucoup de boulot, par exemple. Et ça serait du boulot qu'on n'utiliserait pas. Si on travaille à la valorisation de ce qu'on fait, on travaille moins sur la préparation des streams, quoi. Donc il y a un moment ou un autre, quand même, on va le dire, parce qu'on a le droit d'être fier de... Honnêtement, franchement, nos mags, on les bosse, quoi. Ça veut dire, les bosser, ça veut dire non seulement préparer des choses, préparer les vidéos, les machins, les trucs, mais c'est aussi s'imprégner, en fait, quoi. Et nous, surtout, on se ressemble beaucoup sur ça dans les préparations tous les trois, c'est qu'on a besoin de s'imprégner d'un sujet, quoi. Donc, d'écouter beaucoup de choses, etc., etc. Donc, du coup, voilà, tout ça, c'est du boulot, quoi. Ouais, non, ben bah, il faut, ouais, voilà. Mais il faut le faire à chaque fois, et ça serait vraiment une discipline très très lourde. Hein, mais... Après, on pourrait très bien se dire, par exemple, qu'on fait une notice quand il y a 4 streams qui correspondent à ce sujet-là, tu vois. Et donc, on pourrait se donner comme objectif de faire, je sais pas, 2 notices par mois, quoi. Là, par exemple, sur la ville, il y a sur le logement, par exemple. On a beaucoup de streams, moi, on a beaucoup de streams autour de la question du logement, tu vois, ou de l'urbanisation. Bon, bah, on pourrait très bien se dire, allez, ce mois-ci, on fait une notice sur l'urbanisation. Après, ces notices, elles sont amenées à être amendé et complété au fur et à mesure des nouveaux streams, quoi. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui pourrait... Pourquoi pas, on pourrait se donner comme mission... allez, quand on a 3 streams qui parlent, je sais pas, le Brésil, on l'a fait 3 fois, hop, on fait un petit... C'est une question, ça serait... Alors, ça serait hyper intéressant parce qu'on pourrait mettre les sources aussi à l'intérieur et du coup, on pourrait mêler nos contenus. Hein. Ouais, voilà, je pense à ça. Moi, c'est le travail de source que j'avais engagé sur Twitter à un moment donné, que je suis un peu lâché là. Je cache pas, j'ai lâché un peu. C'est la quintessence, c'est ce que je vous ai mis en lien là. Je travaille, j'adore cette. De toute façon, déjà, c'est un sujet qui me passionne. Et comme on va le faire avec Sud. Là, j'avais un exemple clair de comment on peut vraiment caler une notice qui est assez courte, hein, avec les intervenants qui sont... Bon, là, ça ne sera pas pareil. Enfin, si, il y aura des intervenants peut-être, hein, on ne s'interdit pas de le faire, mais qui intervient ou qui est mobilisé, en tout cas, pour la partie, ben, on va dire, théorique, quand même, voilà. De quoi il s'agit,
éventuellement mettre des gros chapitres, voilà, justement, résumé de chapitres, et puis, puis après, ben, allez, blâme de la source, quoi. Et si cette personne, elle est sur un podcast, là, voilà, signaler l'existence du podcast. Ce qu'on avait fait sur la ville aussi, moi, c'est pareil, ouais, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas pu sourcer suffisamment sur tout ce que j'avais mobilisé. Mais là, c'est le moment de le faire, quoi. Moi, je sais que je pourrais m'engager sur un travail avec Sud par rapport à ça. Bon, si on a quelque chose de l'ordre de ne serait-ce qu'un WordPress, je sais qu'Antoine, tu avais bossé là-dessus, tu vois, pourquoi pas, hein, qu'on perde pas cette habitude de... Avec, après, notre préparation qui est déjà en amont, on se fait des conducteurs, on se fait des documents, quoi. Donc, il y a une base de départ. Et c'est vrai qu'il faut le mettre en forme sur une sorte de blog ou quelque chose comme ça. Un blog qui, d'ailleurs, permet, je ne sais plus, WordPress, c'est compliqué, mais on peut aussi mettre des liens vers des vidéos, des liens vers toutes les interfaces où on intervient. Normalement, tout ça. Ça, moi, c'est mon grand. Ça serait mon grand. C'est ma wish list, en fait, du boulot. Hein. Je sais que c'est du boulot, qu'on ait un organe écrit de centralisation du travail. En fait. Ouais, ça serait vraiment bien, ouais. Après, ça impliquerait une logistique. On réfléchissait un peu à ça, hein, à faire évoluer MAP, lui donner un statut vers associatif, aller vers le média, essayer de faire du mécénat de compétences pour travailler avec quelqu'un qui pourrait nous aider sur ces questions logistiques, puisque nous, on n'est pas des techniciens, quoi. Donc, du coup, il y aurait une vraie réflexion à avoir, quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, que pour l'instant, on va rester sur le combo Discord, YouTube, Twitter. Ouais, mais c'est surtout la logistique, tu vois. On va rester sur ce combo-là. Maintenant, c'est vrai que ça serait quand même intéressant. C'est même gratuit en WordPress, le chat. Maintenant, la question des notices, elle se pose. C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir... je sais que, par exemple, l'objectif, j'ai parlé de David Dufresne tout à l'heure, lui, c'est vraiment, il a un vrai objectif d'indépendance, quoi. Et il est assez épique, hein, sur cet effort-là. Lui, il voudrait ne plus être sur Twitch du tout. Alors moi, la migration vers Peertube, je vous avoue que c'est quelque chose auquel je pense pas du tout en ce moment, quoi. C'est un réseau qui me fait un peu flipper, quoi, Peertube, quoi. C'est des réseaux sans aucune modération. Donc, du coup, c'est un peu quand même particulier, quoi. Maintenant, on a des grosses... Pour tout vous dire, on a des gros soucis de droit, par exemple. Ça veut dire que ça fait au moins 15 jours que j'essaye de mettre en ligne le pop qu'on a fait autour de l'eau. Je pense que je l'ai remonté au moins 4 fois, quoi. Tout est striké et tout, quoi. Donc, alors que, honnêtement, je suis d'accord, hein, il y a des questions d'honnêteté intellectuelle et ça doit se prendre en compte, là, cette question des droits et tout. Maintenant, il y a une loi en France, par exemple, qui est la loi de la citation, quoi. Et YouTube n'est pas sur le prisme juridique français de la citation, quoi. Maintenant, nous, nos vidéos, du point de vue du droit français, elles seraient largement acceptées, quoi. On est dans une logique de citation et on pourrait le revendiquer. Mais YouTube, de toute façon, c'est une juridiction privée qui en a rien à faire de cette question-là, quoi. Donc, du coup, on est quand même drôlement emmerdé sur cette question-là et on est contraint, à cause de YouTube, de vous proposer des lives hyper censurés dès qu'on vous propose du travail sur extrait, quoi. Et vu que là, on va en avoir quelques-uns et qu'on va pas abandonner ce travail sur extrait, bon, ben, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Alors, pourquoi pas aller mettre des vidéos non... On peut très bien mettre la vidéo censurée sur YouTube et faire un lien vers la vidéo non censurée, et la vidéo non censurée, la mettre sur archive.org, par exemple, quoi, qui est aussi un réseau de platistes et de fascistes, quoi, mais où au moins... de toute façon, on touchera personne d'archive.org, mais au moins, il sera quelque part en ligne, quoi. Donc, c'est une vraie question. Ah bah, ouais, mais l'eau, c'est pas tout de suite. Il reste plus que 2 strikes, là, à virer. Et je pense que la vidéo, elle perd presque 30 minutes, je pense. Sur les 3h54, il en reste plus que 3h24, un truc comme ça, quoi. Et j'ai dû rajouter des pastilles à droite, à gauche et tout. Donc, c'est... Dufresne a justement une indépendance d'un média de presse avec le financement qui va avec, parce qu'il met par écrit, sous forme d'articles, ses vidéos. Ouais, ça, je sais. Mais alors, le truc, c'est que...
Est-ce que nous, on n'est pas David Dufresne, en fait. Nous, on n'est pas ça. On est autre chose. Oui, puis le modèle de Dave Duf, c'est beaucoup des guests. Hein. Il fait énormément d'interviews et d'IRL, Dave Duf. Ouais. Effectivement, on est autre chose. On est autre chose et effectivement, on a besoin de l'extrait, on a besoin du support. Et c'est beaucoup un support audio et même encore plus vidéo parce qu'on est aussi sur Twitch, quoi. Dave Duf aussi, mais Dave Duf, il fait des interviews, quoi. Après, ouais. C'est pas dit que cette année, ça on le sait pas encore, hein. C'est pas dit que ça se referme aussi sur Twitch. Pour l'instant, pour tout vous dire, on n'est pas trop emmerdé sur Twitch. C'est-à-dire, vous avez sans doute vu, si vous regardez les replays Twitch, qu'on est striké sur la petite musique qu'on vous met en début et en fin, quoi. Donc ça, c'est striké. Mais même le Pop-O, par exemple, avait été assez peu striké par Twitch, quoi. Il est striké par YouTube. Ça, c'est important, quoi. Et en revanche, c'est pas dit. Je sais qu'il y a M6. Bon, nous, on s'en fout. On fait pas du react sur complément d'enquête, quoi. Mais il y a M6 qui s'est sérieusement mis à la censure Twitch. Et il y a pas mal de streamers qui se sont fait emmerder par M6 et par France 3 sur des reacts qui avaient été faits sur des émissions qui étaient proposées par ces chaînes-là. Alors nous, en général, on le fait pas, ça. Mais est-ce que, je sais pas, par exemple, pour tout vous dire, on a diffusé pas mal de petites vidéos d'Arte qu'on aime bien, et parce que très souvent, ce qui est bien avec les... Là, moi, je me rappelle que j'avais beaucoup travaillé sur les vidéos d'Arte quand on avait fait les évangélistes ou quand on avait fait le Brésil, parce que leurs petits docu, des fois, ils sont quand même pas mal du tout, et ils donnent... et surtout, ils font un travail de terrain, quoi. Il y a vraiment des journalistes qui interviewent des gens et tout, et avant les élections brésiliennes l'année dernière, c'était intéressant. Est-ce qu'Arte va pas se mettre à strike Twitch? Peut-être, quoi. Ça, c'est des choses... On ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu surveillé vis-à-vis du contenu qu'on propose? On ne sait pas non plus. Est-ce que ça va avoir des influences sur le contenu qu'on va proposer? On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est plutôt sans filtre. On est une petite chaîne. On subit pas de raid de la part des fachos. Et a priori, on a été assez peu emmerdé sur Mac, par exemple. On a rarement été emmerdé sur les vidéos qu'on propose. Mais toi, par exemple, Antoine, sur certains Cosmos, il y a eu du strike. Sur certains tempos, il y a eu du strike et tout, etc. Bien sûr. Mais c'est normal, parce que tu fais de l'histoire populaire, donc on sert de... Voilà. Ben, Arte, moi, j'avoue que ça serait un peu emmerdant qu'Arte se mette à nous faire chier, nous, quoi. Mais tu parlais de M6, moi j'ai eu des problèmes avec France Télévisions et avec l'INA. J'ai eu des problèmes avec le service public. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner aussi. Ah ouais, l'INA c'est l'un des pires. C'est l'un des pires, l'INA. Voilà. Et France Télé aussi, c'est pas top. Hein. Ouais. Et en plus, ça pose question. En plus, enfin, je veux dire, ça nous pose même pas de problème moral. C'est ça le truc, quoi. Encore une fois, hein, moi, je trouve le droit français plutôt bien fait au niveau du droit de la propriété, que je connais un petit peu, j'ai un peu bossé dessus, quoi. C'est pas dégueulasse. On est vraiment tout le temps, même dans les pop, par exemple, on rentre toujours dans la case citation. Et honnêtement, on est plutôt au clair, en fait, intellectuellement vis-à-vis de cette question-là, quoi. Mais on voit bien que c'est pas ouais, non. Alors, un truc, Sergent, c'est non, il a quand même, franchement, on peut dire, il y a quand même un truc, c'est que très très vite, Dave Duf, il a payé les gens avec lesquels il a travaillé, quoi. C'est quand même un truc qu'il faut dire. Dès les premières émissions des Gilets jaunes, et qu'il y a des gens qui ont commencé à le suivre, Aurial, celui qui fait le site web maintenant, et quelques autres, Dave Duf a quand même eu cette... de construire un modèle qui permettait certes son indépendance, certes la valorisation de ses contenus, mais aussi le fait de payer de payer les gens avec qui il travaillait, quoi. Et ça, GG à lui pour ça, vraiment... voilà, autant je dis, mais bravo à lui pour c'est sur cette question-là, quoi. Nous, on en est loin, hein, Zippo. On t'a pas encore offert des vacances aux Caraïbes, quoi. Donc c'est vrai que c'est on aimerait bien, hein, Zippo. Hein. Mais bon, nous, on est très loin de ça, quoi. Mais voilà, en tout cas, sur cette question de droit, ça va pas nous prendre la tête au début, tant pis, mais sachez que c'est une perte de temps au montage aussi, quoi. Donc,
Est-ce qu'à la limite, il ne vaudrait pas mieux mettre nos formats complets et longs sur des sites comme archive.org où de toute façon, il n'y a pas de modération, et mettre sur YouTube des espèces de trailers ou des espèces de bandes-annonces avec des extraits choisis, quoi, et avec la possibilité pour ceux qui voudraient voir le replay en intégralité d'aller cliquer sur le lien qui va les amener sur archive.org, quoi. C'est une question, hein. Ça peut être pas mal, et comme ça, on aurait une chaîne YouTube qui serait plus attractive, dans laquelle on aurait des vidéos de 25 minutes et tout, quoi. C'est une question. Il faut demander au chargé de com QCQTD, quoi, de nous, nous faire un plan marketing sur ça, quoi. Bon, vous avez bien compris qu'on n'est pas dans le marketing, quoi. Non, mais c'est des questions qu'on se pose. C'est pas des questions marketing, en fait. C'est des questions de prolongement de notre travail, en fait. C'est-à-dire que ça fait partie de notre travail aussi, qu'il soit accessible de la façon la plus satisfaisante possible pour vous, quoi. Voilà. Vous avez d'autres sujets que vous vouliez aborder, Antoine, Andrea ? Je trouve qu'on a bien fait le tour maintenant. Je ne pense pas avoir oublié, enfin, de mon côté, en tout cas, voilà. J'ai juste une autre reco, le film qui m'a marqué cet été. Et non, ça n'est pas Barbie, même si moi, Barbie, j'ai bien aimé. Pour tout un tas de raisons que je pourrais expliquer, mais pas ce matin, parce qu'il est l'heure de manger. D'ailleurs, en parlant d'heure de manger, on embrasse aussi Marcel, dont on espère le retour prochain, en parlant de rentrée. Moi, j'ai une reco à faire, mais qu'on pourra faire après, hein, si André a des trucs à ajouter avant. C'est le film qui m'a marqué cet été, et même, je dirais, cette année, c'est Sabotage, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je pourrais mettre la bande-annonce dans le chat si vous voulez. Et ouais, rien que ça. Allô? je vous le mets maintenant, c'est ça? André, il y avait des sujets que tu voulais. C'est cool, ouais, que tu finisses par une reco. Je vais le regarder ton film. Il y avait des trucs que tu voulais rajouter, ou t'as l'impression qu'on a fait le tour? Moi, je voulais commencer par là, les reco. Ouais, mais en vrai, ouais, non, ça va. On a fait. Je pense que là, ça va. Sabotage, ouais. Et ben, ouais, il faudra que le film de l'été. Moi, j'ai pas de film de l'été, pas spécialement. Une série que j'ai regardé avec Yas, c'est We Own This City. C'est trop bien. Et on est en train de regarder Rami aussi, c'est trop cool. Ça, j'aimerais bien vous en reparler. Sinon, je me tape des podcasts régulièrement. J'ai passé un été podcast, article, voilà, trop cool. Voilà, je suis sur Spectre la plupart du temps, ou sur France Culture comme d'hab. Pour, ah oui, Spectre. Ouais, j'adore le format de Hugo Paglietta, il est chouette là sur le fascisme. Ouais. Minuit dans le siècle, il y a 20 émissions. La première, elle est très courte. Il explique pourquoi il a fait un podcast antifasciste. Ça dure un petit quart d'heure. Puis après, c'est des formats qui sont sur minimum une heure. Hein. Donc, une heure d'écoute. Tu peux mettre le lien. Tu pourras mettre le lien de ça quand tu auras du temps. Ouais. Ouais, tout à fait. Je le mets tout de suite, même si c'est, je l'avais calé. Donc ça, je suis en train de m'écouter ça. Je prépare, bien sûr, la rentrée avec tout un tas de trucs. Et un livre que j'ai lu très tard, mais que... Enfin, très tard, il est sorti, je pense, en 2019. C'est Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine de Philippe Collin et Lysel Quiroz. Et là, je me régale, quoi. Je me régale. Ça, c'est... C'est pas une surprise pour vous. sur We Own This City, ouais, parce que moi je me rends compte que j'ai beaucoup lu du post-colonial, quoi, plutôt côté Afrique. Hein, mais alors le décolonial, c'est de l'Amérique latine. Je sais que Mehdi et Yas, c'est un continent. D'ailleurs, il faudra parler du mot latine, Amérique latine, cette dénomination. Mais j'aurai l'occasion de vous en parler. Bien sûr. Et surtout de faire parler ceux qui savent. Et qui ont théorisé là-dessus beaucoup de choses importantes dans les années 90, au-delà et jusqu'à nos jours. Voilà, je m'intéresse, m'intéresse de plus près à ces problématiques-là, enfin, ce continent-là, en fait. Et donc, c'est vrai qu'Antoine, on pourra se faire un jeu de ping-pong des fois aussi, parce que toi, je sais que c'est... Mais oui, avec plaisir. Tu t'intéresses beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette partie du monde. Voilà. Sinon,
Ouais, je vous mets un podcast sur une série qui, ben ouais, que Yas m'a fait découvrir. Philippe, tu la connais, c'est We Own the City. Bon, on connaît le réalisateur, hein, c'est Wire. Moi, j'aimerais trop voir Trem maintenant. Hein, parce que, alors là, tu. Antoine, ah oui, Trem, c'est magnifique. Trem, pardon, ouais, c'est dans sur la Nouvelle-Orléans. Dans la foulée, voilà quoi. C'est trop bien. J'ai bien aimé David Simon et George Pelicanos ensemble là sur We Own the City. Ça parle de la police. C'est dans un continuum finalement par rapport à l'été, hein, c'est-à-dire que c'est incroyablement pertinent d'ailleurs. Cette série, la réflexion qu'elle offre sur les pratiques de la police. Et d'ailleurs, les Américains ont un terme, to police. Vraiment, c'est intéressant de voir comment to police, ça peut être mis en parallèle et à la fois en opposition entre The Wire et We Own the City. C'est vraiment très très intéressant de voir le rapport à ce verbe. Qui est décliné de deux façons totalement, avec deux paradigmes totalement différents, quoi. Là, on a affaire à une police totalement corrompue, totalement violente, totalement, vraiment, voyou. Quand les flics sont pires que les voyous, c'est pour vous faire très bref. Ça donne des choses assez hallucinantes. Il y a beaucoup de réflexions aussi sur est-ce qu'il faut comment réformer cette police. Qu'en est-il de la justice sur le duo police-justice, en fait. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de dites. Cette série, c'est un mini-format, hein, c'est 6 épisodes, d'à peu près une heure, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas... Si vous avez... C'est une reco très solide. Et le podcast, c'est pour que vous voyez un peu de quoi ça parle, avec des gens qui en ont parlé sur France Culture. Voilà, j'ai écouté un peu l'émission hier. Ça résume ce à quoi vous devez vous attendre dans la série, mais pas que. Et puis il y a des sources aussi. Bon, enfin voilà, c'est intéressant. C'est histoire de poser la ref. Et puis le nom, surtout parce que j'ai un accent anglais qui est quand même assez contestable. Voilà. Police, oui. Ah, c'est ça. C'est Donc voilà, la réco, moi, en autre réco, qu'est-ce qu'on a d'autre? Philippe, t'as une réco? Toi, t'as ou un coup de... Allez pas voir la merde de Nolan, là. Mais moi, j'ai détesté ce film. À côté de ça, moi, j'ai une reco, c'est que je sais que vous n'êtes pas forcément hyper... Moi, honnêtement, j'ai adoré... Je suis dans Orange is the New Black et je suis dingue de cette série, quoi. Je la trouve fascinante et tout. Je suis en train d'essayer de préparer une spéciale un peu autour des prisons, mais ça me demande beaucoup de lecture encore, là. Enfin, culture pop et prison. Je voudrais relire Rainbow, qui est un manga qui est assez intéressant. Relire Samo, dont vous avez parlé il n'y a pas très longtemps, Coq de combat. Et revoir la première saison de Dose. Et quand j'aurai fini... voilà. Mais les Tortues Ninja, mais mon fils, il a trop kiffé aussi, mais je ne l'ai pas vu, moi. Tortue Ninja, qui est un comics assez génial et très sombre, qui a été proposé par Sullivan Rouault dans son ancienne maison d'édition chez High Comics, et qui continue à proposer, et qui est vraiment une série passionnante, les Tortues Ninja, quoi. Donc voilà, moi je prépare un truc sur la prison, mais c'est pas pour tout de suite, ça va prendre du temps, quoi. Puis je voudrais faire ça bien. Donc voilà, il y a un grand monsieur de la sociologie qui est mort. La semaine dernière, quoi. Alors faites attention, c'est Howard Becker et pas Gary Becker. Gary Becker, qui est un sombre économiste dégueulasse, qui fait des logos, des petits graphiques de maximisation du plaisir dans tous les contextes de la vie de lui. Des stratégies matrimoniales. Ouais. Ça m'avait fumé, ça. Gary Becker, c'est drôle à lire, mais c'est... fasciste, quoi. En revanche, Howard Becker, allez-y et tout. Moi, j'ai streamé plein de fois à l'époque où j'étais tout seul sur Howard Becker, qui est pas seulement le sociologue de la déviance, mais c'est surtout le sociologue des mondes. Et c'est un excellent sociologue que tu vas passer beaucoup de temps avec lui, Antoine, cette année. C'est un excellent sociologue de la méthode d'enquête, les ficelles du métier, etc. Il est très intéressant dans son
dans son approche de comment on fait une enquête, quoi. Lui qui a quasiment pratiquement invité dans inventé dans la foulée de Parks avec Outsiders l'enquête participative, quoi, et l'observation participante, et qui est très intéressant 30 ou 40 ans plus tard sur les ficelles du métier, quoi. Voilà, bah c'était histoire de faire un petit peu ce tour de recos. On va peut-être se dire au revoir parce que moi il va falloir que je file. Nous on se retrouve très proche. Ah oui, on va faire un truc peut-être cette année, on va peut-être le faire mieux que ça et tout, quoi. Mais il faut qu'on le fasse, j'y pense jamais, c'est remplir le planning de Twitch. C'est un truc que je fais jamais, que j'ai beaucoup négligé. Et donc ça serait peut-être pas mal qu'on reprenne la main et qu'on soit sérieux sur le planning Twitch. On nous l'a déjà demandé. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément accès ni à Twitter ni autre, donc on va essayer d'être réglo sur le planning Twitch, parce qu'il est plutôt bien fait en plus, ce planning là, quoi. Donc et d'autant qu'en plus le planning Twitch on peut le caler sur le Google Agenda, c'est possible. Donc peut-être que on peut se débrouiller pour que ce soit assez simple, quoi, et que vous puissiez avoir accès à nos différentes infos. Sinon, n'hésitez pas à venir sur le Discord, même si vous voulez pas forcément participer, vous aurez les annonces qui seront sur le Discord, quoi. Voilà pour moi. Pas grand chose de plus à rajouter. On avait envie de ce live, ce moment un peu pré-rentrée où on revenait sur ce qui s'était passé sur MAP jusqu'à présent, ce qui pouvait se passer pour la suite, et puis parler un petit peu plus aussi de nous. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces moments d'échange, finalement. Des fois, on se dit, on lance un live chill, on ne sait pas trop ce que ça va donner, de quoi on va parler, puis au final, on a parlé plein de choses, on a évoqué plein de choses, donc voilà, très content de ce moment passé avec vous, et très heureux de poursuivre cette aventure qui, vous l'aurez compris, et personnellement, m'a déjà beaucoup apporté, et j'y ai encore pas été exhaustif, hein. J'aurais pu parler de ce que ça m'a apporté de bosser avec des gens qui s'inspirent notamment du travail de Politikon, pour ne parler que de lui, parce que forcément, quand on veut faire la sociologie politique, bah, on peut pas se passer aujourd'hui de son travail, notamment. Alors si je peux vous faire une dernière reco, allez, une reco bonus Politikon notamment. Si vous avez cherché dans les tréfonds des archives YouTube, il y a quelques années de ça, il avait participé à une université populaire du côté de Laon, L-A-O-N, où il avait fait toute une série sur l'histoire de la démocratie représentative, la démocratie délibérative. C'est passionnant, c'est hyper didactique, donc je peux vous reco ça aussi en mode retour aux sources, retour aux bases. C'est du contenu excellent là aussi, quoi. Voilà, donc force à nous, la rentrée va pas être forcément très agréable sur bien des aspects. Donc on reste ensemble, on reste groupés, et voilà, on va essayer de compter les uns sur et les unes sur les autres. Et voilà. Bon voilà, bah QLF, et à très bientôt. À très bientôt à tous, quoi. Je vous laisse devant le. Il y a des gens. Il y avait Andrea peut-être pour faire une petite conclusion. Si grave, sens, grave, si grave. Tu veux rajouter les choses, Andrea. On fait les petites annonces là. Ouais, j'ai vu. Cherche voiture, cherche appartement, loue appartement. Cherche maison ou appartement, cherche Toyota, cherche Citroën, cherche tout, quoi. Cherche appart pour étudiant. Cherche le sens du vent aussi, tout ça, tout ça. Cherche fraîcheur. Cherche fraîcheur. Voilà. Bon, non, c'était cool. Merci à tous. Je vous laisse devant l'opening de We Own This City. Ouais, Et donc on se retrouve, ben on vous tient au courant, quoi. Voilà, on fera sans doute il pourra y avoir un live avant début septembre, avant la fin du mois peut-être, ouais. Ça peut être possible, quoi.
Ouais. Maintenant, c'est vrai que notre vraie rentrée et le redémarrage des différents formats, ça sera surtout après le 4 septembre, quoi. Donc voilà, des bisous à tous. Merci beaucoup pour ceux qui sont venus. Bédémanci, on sera pas cette année. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord, quoi. Et donc, Bédémanci à venir nous proposer quelque chose sur Pop. Ça serait génial. Mais oui, le sait. T'en penses. Je sais pas ce que t'en penses, mais en vrai de vrai, nous, ça nous ferait énormément plaisir. Mais oui, il le sait. Allez, des bisous à tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut tout le monde. Salut, salut. Smoke is fire. These officers, they're 1930 style gangsters.